Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau Morning Live Webinar proposé par le comité infirmier de la SFAR. C'est un webinar dédié à la formation paramédicale, consacré aujourd'hui à l'épuration extrarénale en réanimation. Donc voilà, je m'appelle Mathilde Joguet-Babu, je suis infirmière en réanimation polyvalente à Clermont-Ferrand et secrétaire du comité infirmier de Réa de la SFAR. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu Clergy-Gurneau, je suis infirmier en neuro-réanimation au CHU de Bordeaux et je suis également membre du comité infirmier de réanimation de la SFAR. Et bonjour à tous, moi je suis Mathilde Profumo, je suis infirmière au CHU de Strasbourg, membre aussi évidemment du comité infirmier de réanimation de la SFAR. Aujourd'hui, l'objectif de ce webinaire dédié à l'épuration extrarénale, ça va être de vous donner des outils, des clés, que vous soyez pratiquant de l'épuration extrarénale depuis peu de temps ou depuis plus longtemps. On espère en tout cas que ça va vous permettre d'appréhender les techniques, de remettre vos connaissances à jour et de pouvoir profiter de l'expertise des deux professeurs qui vont intervenir aujourd'hui. En effet, on va recevoir avec grand plaisir et honneur les experts nationaux qui sont les professeurs Olivier Joannès Boyau, qui travaille à Bordeaux, et Thomas Rimley, qui travaille à Lyon. Ils nous font quand même l'honneur d'intervenir ce matin avec nous sur deux premiers sujets. Enfin, le premier, ça va être la physiopathologie de l'insuffisance rénale aiguë et les indications de l'épuration extrarénale. Et les modes d'anticoagulation lors de sessions d'épuration extrarénale. Quant à nous trois, comme nous sommes infirmiers, Mathilde, Mathieu et moi-même, nous allons vous parler des aspects pratiques d'une gestion d'épuration extrarénale. Vraiment, voilà, la pratique pure, ce qui se passe dans les services, ce qu'on fait tous les jours, parce que ça concerne quand même pas mal notre quotidien. On vous rappelle également que, ben, comme tous les autres webinars, celui-ci sera disponible en live gratuitement. Également, retrouvez-le sur Internet, sur le site de la SFAR, sur la page YouTube de la SFAR, également sur la chaîne YouTube, Facebook, pardon. Au cours de ce topo, il y aura deux sessions d'échange où vous aurez la possibilité de poser des questions aux différents intervenants. Pour interagir avec les orateurs, il vous suffit donc de poser directement les questions sur le site de la SFAR. Quant aux replays, ils seront accessibles également aux abonnés de la SFAR. On va maintenant donc aborder le premier topo de cette matinée qui sera présenté par le professeur Olivier Joannès Boyau de Bordeaux. Il est anesthésiste réanimateur là-bas et aussi le président du comité d'animation de la SFAR. Donc il va nous parler de la physiopathologie de l'insuffisance rénale aiguë et des indications de l'épuration extrarénale en réanimation. Bienvenue Olivier, je vous laisse la parole. Bonjour, je suis Olivier Joannès Boyau, je suis anesthésiste réanimateur au CHU de Bordeaux. Et donc on m'a demandé de vous présenter l'insuffisance rénale aiguë et quand démarrer l'épuration extrarénale, quand il y a cette insuffisance rénale aiguë, pour le comité IDE de la SFAR. Donc pour commencer, il faut se référer aux nouvelles définitions qui sont apparues aux États-Unis et que nous avons reprises dans notre RFE de 2006 sur l'insuffisance rénale aiguë, où maintenant on va différencier plusieurs étapes. D'abord l'agression rénale aiguë qui correspond au kidney attack des anglo-saxons. Donc là c'est une étape qui est différente, c'est la plus précoce, il n'y a pas vraiment de lésion du rein encore. Le rein a un risque important de lésion, mais c'est le tout début, c'est-à-dire qu'il est simplement agressé à ce moment-là. Après, nous avons l'atteinte rénale aiguë, qui s'appelle acute kidney damage, où là, nous avons déjà quelques lésions histologiques qui arrivent, mais on n'a pas encore de traduction véritablement clinique de cette insuffisance rénale. Et puis, enfin, l'insuffisance rénale aiguë, ou acute kidney injury, qui là est une altération de la fonction rénale due la plupart du temps à des lésions histologiques du rein. Alors pour
bien différencier les différentes atteintes et les différents types d'atteintes, on peut se baser sur cette différenciation qui était faite à une époque, qui était prérénale, intrarénale et post-rénale. On verra après que ça, c'est des fois un peu artificiel de couper les choses comme ça, mais ça donne une bonne idée des différentes causes des agressions, puis des atteintes et puis enfin de l'insuffisance rénale. Alors, l'insuffisance rénale, nous avions donc récupéré et utilisé les classifications CADIGO qui avaient été faites pour bien catégoriser l'insuffisance rénale quand on avait fait les RFE de 2016. Et donc, cette insuffisance rénale, vous voyez, elle est en trois niveaux. Soit on a le premier début qui est de 1,5 à 1,9 fois la créatinine de base ou une augmentation de 26,5 micromol par litre, ou alors, parce que c'est pas M, c'est OU, une diurèse qui est inférieure à 0,5 minutes kilo heure pendant 6 à 12 heures. Ça, c'est le stade 1. Donc, on a vu, on est déjà au-delà de l'atteinte rénale aiguë, c'est-à-dire on est de l'acute kidney damage, c'est-à-dire du moment où on a déjà quelques lésions histologiques, on est déjà dans l'insuffisance rénale aiguë ou acute kidney injury, mais c'est la phase très précoce. Les lésions ne sont pas intenses, les conséquences cliniques ne sont pas énormes pour l'instant. Ensuite, on est au stade 2, vous voyez, c'est entre 2 et 3 fois la créate, pour faire vite, et puis une oligoanurie plus importante, c'est sur 12 heures cette fois-ci. Et puis le stade 3, c'est une augmentation de 353 micromol par litre de créatinine, ou 3 fois la créatine de base, ou le moment où on doit initier l'épuration extrarénale. Ou alors c'est une oligoanurie très profonde pendant 24 heures, ou une anurie totale. Voilà, ça ce sont la définition qui a été utilisée et créée pour harmoniser, notamment quand on fait des études, les patients que l'on considérait souffrant d'insuffisance rénale aiguë. Alors, les populations à risque de faire une atteinte rénale sont des patients que nous, on va voir beaucoup en anesthésie ou en réanimation. Ce sont des patients qui ont une déshydratation, une hypovolémie, des pathologies rénales sous-jacentes, des patients âgés, de l'insuffisance cardiaque, de l'insuffisance hépatique et également des femmes enceintes. Comment on caractérise ces différentes causes d'atteinte rénale? Alors, il y a ce qu'on appelle l'atteinte prérénale, et en général, c'est une atteinte qui est souvent hémodynamique. Soit il va y avoir une hypovolémie, donc on a les causes différentes, déshydratation, choc, brûlé, on voit. Soit on a une réduction du débit cardiaque pour des raisons diverses, une atteinte cardiaque. Bah, l'hypovolémie également, l'hémorragie, etc. Soit on a une baisse des résistances vasculaires due au choc septique. Et donc là, on a une atteinte septique du rein, mais que sur son versant hémodynamique. Et puis, il y a l'obstruction vasculaire, la thrombose de l'artère, par exemple, ou de la veine. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, enfin, surtout de l'artère. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'atteinte prérénale. On considérait avant que cette atteinte était dite plutôt fonctionnelle, c'est-à-dire réversible. On sait maintenant que ce n'est pas obligatoirement vrai. C'est-à-dire que même si c'est prérénal, même si on se dit qu'on va corriger les paramètres hémodynamiques, ce n'est pas pour ça qu'on aura une réversibilité totale de l'insuffisance rénale. Et il y aura parfois des lésions histologiques qui seront déjà apparues à ce stade si la cause hypovolémie, réduction du débit cardiaque, enfin globalement la baisse du débit sanguin rénal est importante dans le temps. Et plus elle est poursuivie dans le temps, plus elle est profonde, plus il y aura des lésions histologiques. Et donc là, le fonctionnel organique, comme on a pu le définir à une époque, est plutôt un continuum, vous voyez, avec des lésions qui vont s'aggraver en fonction de la profondeur de l'agression rénale prérénale. On a ce qu'on appelle intrarénal, donc là c'est une atteinte directe de la structure néphronique du rein, et donc là c'est ce qu'on a rassemblé sous un chapeau de nécrose tubulaire aiguë, même si les lésions peuvent être bien différentes et multiples. Et donc là il y a la rhabdomyolyse, la toxicité médicamenteuse, même qui peuvent être à différents endroits que le tube contourné proximal ou distal, le glomérule ou autre, la glomérulonéphrite, la pyélonéphrite, le lupus, donc le sepsis, etc. Donc là, ça va être une atteinte véritablement de la structure histologique du rein par une atteinte directe de différents composants, soit toxiques, soit les immunocomplexes, du sepsis, soit une auto-immun, etc., etc.
Donc, en fait, quand il y a une atteinte intrarénale, ce qui se passe, c'est qu'il y a une atteinte qui peut être bon, bah, glomérulaire, mais qui va souvent être tubulaire, avec des atteintes des cellules qui vont s'apoptoser, nécroser et souvent venir obstruer la lumière, et donc qui est souvent mis sous le chapeau global de nécrose tubulaire aiguë. Alors, la toxicité rénale des médicaments, elle est importante, mais voyez, en fonction des médicaments, l'atteinte ne sera pas toujours au même endroit. Par exemple, les aminosides qu'on connaît bien, produits de contraste et vancomycine, ça va être plutôt tubulaire. Et donc ça donnera souvent une apoptose des cellules tubulaires, un équivalent de nécrose tubulaire aiguë, alors que par exemple, les ANS et les IEC auront plutôt une atteinte glomérulaire. Et puis d'autres auront des lithiases, d'autres auront des atteintes vasculaires. Donc oui, ça dépend un petit peu, l'atteinte histologique n'est pas toujours au même endroit. Et puis enfin, il y a le post-rénal, donc ça c'est le plus simple à identifier, c'est souvent le plus réversible. C'est une obstruction mécanique de l'appareil urinaire, donc soit due à un obstacle cancéreux ou de la prostate ou de la vessie par exemple, ou de l'urètre, soit un calcul, soit un trauma, soit un reflux vésico-urétéral, en fait toutes les causes qui empêchent l'évacuation de l'urine depuis le bassinet jusqu'au méa urinaire, jusqu'à l'évacuation définitive de l'urine. Donc ça, cet obstacle, si on lève l'obstacle dans un temps assez court, il n'y aura pas véritablement de lésions histologiques importantes qui ont été faites. Mais évidemment, si l'obstruction perdure dans le temps, il y aura des lésions histologiques et il y aura une insuffisance rénale aiguë qui sera proportionnelle à la gravité de l'obstacle et de l'obstruction. Donc vous voyez, si on regarde un petit peu et qu'on oublie un petit peu ce côté fonctionnel, organique, on se rend compte qu'en fait il y a un continuum dans le temps de l'agression rénale, avec, vous voyez, il peut y avoir des atteintes ischémiques et hémodynamiques, il peut y avoir de l'inflammation systémique, il peut y avoir du sepsis, il y aura la toxicité médicamenteuse, en fait tous ces paramètres vont se mettre ensemble. Avec au début ce qui a été appelé un sub-AKI, donc une sous-atteinte, ce que nous on a mis comme agression rénale, où il n'y a pas encore véritablement d'atteinte cellulaire rénale. Et puis au fur et à mesure du temps, il y aura de l'apoptose, de la nécrose cellulaire, et donc une atteinte rénale et une insuffisance rénale qui sera proportionnelle au nombre de cellules qui auront été endommagées. Alors, comment ça va fonctionner quand il y a une atteinte des cellules? Eh bien, en fonction de l'endroit et de la toxicité, on aura, comme par ici, par exemple, on va avoir une perte de la polarité de la bordure en brosse. Vous voyez, les cellules tubulaires ont de la bordure en brosse, ça s'appelle leur conformation, vous voyez ce qu'on voit là-haut. Et ça, on va perdre la polarité et on va perdre cette bordure en brosse. Et puis il y aura de l'apoptose cellulaire, de la nécrose, ces débris cellulaires vont partir dans le tubule, donc de temps en temps on aura une obstruction tubulaire qui empêchera l'urine de sortir dans le bassinet puisque le néphron sera obstrué. Et puis si tout va bien, si le rein est capable, on aura potentiellement de la migration d'autres cellules viables, de la prolifération de cellules et de la recréation de cellules tubulaires et enfin du tubule en réparation grâce à certaines sécrétions hormonales. Donc le rein souffre, est agressé, a des lésions cellulaires, mais potentiellement peut se réparer en partie en fonction des lésions, de la gravité de lésions et de leur étendue. Alors il faut quand même sortir des absolues certitudes qu'on avait, des fausses certitudes. Hein, les lésions anatomiques uniques étaient la nécrose tubulaire aiguë, hein, dont je vous ai parlé de ce de gros chapeau. Mais en fait, non, il y a d'autres atteintes bien plus diverses. Et quand on fait des études anatomopathologiques du rein, on se rend compte que la nécrose tubulaire aiguë n'est pas toute seule et qu'il y a bien d'autres atteintes glomérulaires, glomérulonéphritiques et autres qui arrivent, quelle que soit la pathologie. La maladie, évidemment, n'est pas univoque. Les syndromes sont différents de la maladie. Donc, ça, il faut faire attention. C'est souvent multiple. La fonctionnelle versus organique, on l'a dit, ce n'est pas vraiment ça. C'est plutôt un continuum. Et les problèmes hémodynamiques exclusifs sont faux aussi. Quand on a un sepsis, ben, on a effectivement l'hypovolémie relative, la vasoplégie, la chute du débit cardiaque, par exemple, etc.
Mais ce n'est pas la seule cause d'agression rénale. Il y a aussi l'inflammation en elle-même, il y a aussi l'immunité, il y a aussi la toxicité des médicaments. Voilà, donc c'est beaucoup plus global l'atteinte rénale que ce qu'on a pu penser au départ. Donc l'histopathologie, ben, vous voyez, quand on fait des biopsies, là, 6 études avec 417 patients sceptiques, 44% avaient un acute kidney injury et seulement 22% avaient une nécrose tubulaire aiguë. Donc ce n'est pas la seule lésion existante à l'heure actuelle sur le rein quand le rein défaille en réanimation chez des patients sceptiques. Maintenant, on le sait. Donc on a bien étudié maintenant les phases hémodynamiques et les atteintes en relation avec des sécrétions hormonales. Vous voyez, quand il y a du sepsis, on a de la sécrétion de NO qui est vasodilatateur, mais dans le même temps on a le système rénine-angiotensine-aldostérone qui se met en jeu, tout un tas de régulations qui vont essayer de lutter contre les effets hémodynamiques du sepsis, qui vont pouvoir au départ contrôler cette réaction hémodynamique et puis qui après va être dépassée et on aura souvent dans le même temps une vasoplégie et une vasoplégie générale avec une baisse de la pression artérielle et du débit sanguin, et dans le même temps une vasoconstriction rénale pour essayer de se préserver, qui va au final aggraver les lésions ischémiques du rein, dans un temps assez avancé du phénomène. Donc tous ces phénomènes sont bien connus, ils sont tous intriqués. Et ils vont évidemment concourir à des lésions qui vont être multiples, ischémiques, inflammatoires, avec des lésions tubulaires, des lésions glomérulaires et au final l'acute kidney injury, l'insuffisance rénale aiguë. Alors, en fait, comment ça se passe? On voit le cercle vicieux qui s'installe, c'est-à-dire que le sepsis, l'effet sur les veines et les artères rénales, donc avec d'abord une vasoplégie générale, une vasoconstriction artériolaire rénale, une baisse de la perfusion rénale qui s'ensuit, puis une chute du débit de filtration glomérulaire, une apoptose, une nécrose cellulaire et donc l'insuffisance rénale aiguë. Alors, il faut bien différencier, parce que c'est important, la diurèse du débit sanguin rénal et du débit de filtration glomérulaire. La diurèse, c'est à peu près 1 millilitre, voilà, on voit 1 millilitre par minute. Bon, oui, ça va être à peu près 1 millilitre kilo heure, grosso modo. Ça, c'est la diurèse à peu près normale. Mais on voit que c'est différent du débit sanguin rénal qui, lui, est d'à peu près 1 litre par minute pour chaque rein. Hein, donc, c'est très important. Alors que le débit de filtration glomérulaire, lui, va être d'à peu près 100 millilitres par minute. Donc, vous voyez, c'est. Tout ça, c'est 1 litre par minute, 100 millilitres par minute, 1 millilitre par minute. Donc on voit bien que le rapport est de 1 pour 1000 entre la diurèse et le débit sanguin rénal. Alors si on a des atteintes artériolaires, on a aussi parfois des atteintes veineuses. Les patients qui sont en surcharge hydrosodée vont souvent avoir une pression veineuse centrale qui va monter. Et on sait que si la pression veineuse centrale augmente de façon très importante, on aura une répercussion capillaire au niveau rénal. Et ça va se reporter sur une hyperpression des capillaires artériolaires et donc au final bloquer la post-charge du rein, c'est-à-dire l'évacuation du sang depuis le rein vers la circulation générale, et bloquer un petit peu par hyperpression capillaire l'arrivée du sang dans les artérioles rénales. Et ça crée de l'œdème au niveau du rein et l'œdème va créer de l'insuffisance rénale aiguë, puisque le rein est dans une capsule inextensible. Et donc il y a des études, notamment de Mathieu Legrand, entre autres, qui ont bien montré une corrélation entre l'augmentation de la PVC et le risque d'insuffisance rénale par une diminution de la filtration glomérulaire et également par une diminution de la pression de perfusion. Et ça a été très, très bien montré de façon expérimentale. Vous voyez cette étude de 1977, qui est une vieille étude, sur le singe, qui a montré que si on faisait une l'ischémie-reperfusion chez un singe, on avait de l'œdème rénal qui se créait, et on avait, vous le voyez ici, une chute de la diurèse et une chute de la perfusion rénale.
Et juste en faisant une décapsulation du rein, c'est-à-dire en enlevant cette capsule inextensible, eh bien on récupère une pression et on récupère une diurèse. Donc ça montre bien que l'inflammation, l'œdème rénal en lui-même est une cause d'insuffisance rénale aiguë et concourt, une des multiples causes qui concourent à cette insuffisance rénale aiguë chez nos patients de réanimation ou d'anesthésie quand il y a de la chirurgie lourde. Donc, vous voyez ici une étude très intéressante par Bellomo d'Intensive Care qui reprenait un petit peu tous ces concepts, qui expliquait la sécrétion de l'oxyde d'azote, du NO, qui est vasodilatateur, qui expliquait ce que c'est que les DAMS et les PAMS qui sont des molécules inflammatoires qui vont créer un stimulus inflammatoire et qui va créer une réaction en chaîne avec de l'apoptose et de la nécrose cellulaire, tout un tas de sécrétions de cytokines et de médiateurs comme le NF-kappaB par exemple. Et tout ça va générer une réaction générale qui va aller vers la lésion rénale et l'insuffisance rénale aiguë. Et évidemment, dans notre pratique quotidienne, les conséquences sont multiples. On le voit bien. Il y a les causes qui peuvent être les causes qui peuvent être chirurgicales, les facteurs chirurgicaux, comme c'est de l'obstruction tubulaire, ça peut être juste mécanique, hein, des fois. Il y a l'inflammation liée à la chirurgie, parfois le patient est sceptique, donc il y a aussi de l'inflammation. Il peut y avoir des lésions vasculaires, il peut y avoir même des lésions, si c'est de la chirurgie urologique, rénale directe. Il peut y avoir de la chute du débit cardiaque et de la perfusion rénale, de la chute de la pression, etc., etc. Donc, quand on fait de l'anesthésie et de la réanimation, ou quand on est infirmier de réanimation, eh bien, on voit que tous ces facteurs-là vont rentrer en ligne de compte et vont pouvoir expliquer des lésions rénales et l'insuffisance rénale aiguë. Et ce qu'on sait maintenant, de façon très claire, et on l'a vu dans cette étude, là, 20 000 patients, c'est que l'insuffisance rénale aiguë est une cause, est un facteur indépendant de mortalité et de morbidité en réanimation. Et ça, c'est corrélé évidemment à la gravité et à la durée de l'insuffisance rénale aiguë. On le voit ici dans cette étude, et qu'on soit en univarié ou en multivarié, et même quand on va l'ajuster à l'âge et au genre, eh bien, ça reste un facteur indépendant de mortalité en réanimation. Et sur cette étude-là, qui est une grosse étude aussi finlandaise, multicentrique, eh bien, c'est pareil. On va voir que la mortalité à 90 jours des patients va être bien plus importante quand on a un acute kidney injury, vous voyez, 33% de mortalité versus 25% quand on n'a pas d'insuffisance rénale aiguë. Et vous voyez à côté que cette mortalité, elle va augmenter au fur et à mesure que la gravité, donc proportionnellement la gravité de l'insuffisance rénale aiguë, pour aller jusqu'à évidemment un odds ratio, c'est-à-dire un risque d'insuffisance rénale aiguë bien supérieur quand on est au stade 3. Alors, quand on regarde l'épidémiologie de l'insuffisance rénale aiguë, dans cette étude qui était une étude que nous avons faite au niveau international, pour regarder un petit peu pourquoi les patients avaient donc une insuffisance rénale aiguë et quel était leur devenir. Eh bien, on se rend bien compte que là, on voit à la fin, mortalité, 7% quand on n'a pas d'insuffisance rénale aiguë versus 27%. Donc là, très clairement, voilà, c'est évident. Quand on a une insuffisance rénale aiguë, alors oui, ce sont les patients les plus graves, mais on a une mortalité supérieure. Et on voit que les causes de cette insuffisance rénale aiguë sont majoritairement, vous voyez, il y a plus de patients sceptiques, il y a plus de patients qui ont eu des drogues vasoactives, il y a des patients qui avaient une insuffisance rénale préexistante, des patients qui sont restés plus longtemps, etc., etc. Évidemment, les patients qui ont des antécédents, des comorbidités, vont avoir des risques d'insuffisance rénale aiguë plus élevés. Et plus on va faire des épisodes d'atteinte rénale, d'agression rénale,
d'insuffisance rénale aiguë, bah, plus on a des risques de mortalité et d'avoir un nouvel épisode d'insuffisance rénale aiguë et d'avoir l'insuffisance rénale chronique. Donc les facteurs de risque d'insuffisance rénale aiguë et de progression vers l'insuffisance rénale chronique, c'est évidemment d'avoir déjà une insuffisance rénale chronique préexistante, c'est d'avoir de l'hypertension artérielle et c'est d'avoir des comorbidités et d'être un patient âgé. Alors, comment marche la régulation rénale pour l'hémodynamique, par exemple, pour vous donner un exemple de comment va se dégrader le rein quand il est agressé. Le patient a une hypovolémie modérée, donc on a une baisse du débit sanguin rénal. À ce moment-là, que va-t-il se passer? On va sécréter la rénine angiotensine aldostérone. L'angiotensine va vasoconstricter les artérioles afférentes et efférentes. Pour se souvenir, afférente, c'est celle qui arrive avec un A. Efférente, c'est celle qui exit, donc qui sort avec un E. Alors, comme ça, on se souvient bien. Donc, cette angiotensine, elle vasoconstricte, mais dans le même temps, elle va, par un rétrocontrôle, sécréter de la prostaglandine intrarénale et vasodilater l'artériole afférente. Et donc, dans ce cas-là, on va préserver le débit sanguin par la petite vasoconstriction et le débit de filtration glomérulaire par cette différence qu'il peut y avoir entre l'artériole afférente et l'artériole efférente. Si on utilise maintenant des ANS, par exemple, pour montrer la toxicité des médicaments, bah, là on va voir une absence de régulation par les prostaglandines intrarénales, puisque les ANS vont les bloquer. Et donc on va avoir une vasoconstriction qui ne sera plus modulée, et on va avoir une chute du débit sanguin rénal et une chute du débit de filtration glomérulaire. C'est pour ça que les ANS chez les patients âgés hypovolémiques vont créer des insuffisances rénales. Alors que si on a des IEC, par exemple, la conséquence est souvent la même, c'est-à-dire que la diurèse va s'effondrer. Mais là, la cause est toute différente. C'est qu'en fait, ici, on bloque l'effet de l'angiotensine. Donc, on va diminuer la vasoconstriction, mais notamment la vasoconstriction de l'artériole efférente. Et donc, le débit sanguin rénal, lui, reste identique, voire supérieur, alors que le débit de filtration glomérulaire va chuter, puisqu'il n'y a plus de différentiel de pression entre l'afférente et l'efférente. Donc, vous voyez, les conséquences sont différentes. Les ANS vont créer des lésions potentiellement ischémiques par une chute du débit sanguin rénal, ce qui n'est pas le cas des IEC. D'ailleurs, il y a actuellement des études et des hypothèses qui montrent que les IEC potentiellement pourront avoir un effet positif sur la fibrose post-insuffisance rénale aiguë et ainsi permettre d'éviter des conséquences graves de l'insuffisance rénale aiguë en allant vers l'insuffisance rénale chronique à cause de cette fibrose. Alors, il faut voir aussi que les lésions rénales qui vont être créées n'auront pas obligatoirement des conséquences cliniques très importantes. D'abord parce que vous avez, vous voyez là la gauche de la diapositive, une réserve de fonction rénale qui, vous savez, par exemple, si on vous enlève un rein alors que vous en avez deux, vous ne deviendrez pas insuffisant rénal aigu comme ça. Parce que un rein peut suffire à faire la fonction. Donc une amputation de 50% de votre capital néphronique n'aura pas ou peu de conséquences cliniques. Donc, avant d'avoir des conséquences, il faudra quand même un nombre important de lésions histologiques grâce à cette réserve de fonction rénale. Mais ça veut dire que si on a une insuffisance rénale aiguë, c'est-à-dire qu'on a empiété au-delà de cette réserve fonctionnelle rénale et qu'après, chaque petite lésion aura évidemment des conséquences. Et donc, on le voit bien ici, à chaque nouvelle lésion, on aura un capital néphronique qui sera en baisse. Et des lésions de plus en plus faibles auront des conséquences de plus en plus importantes. Donc ça, c'est important de savoir qu'un patient qui a fait une insuffisance rénale aiguë est un patient qui est à risque de faire de nouveau de l'insuffisance rénale aiguë. Voilà, donc ça, cette étude ici résumée, cette étude, cette review résumée un petit peu tout les causes d'insuffisance rénale aiguë en anesthésie réanimation, et donc notamment réanimation. Et donc, voilà, ça résume un petit peu tout ce que je vous ai dit, la toxicité médicamenteuse, l'hémodynamique, les antécédents comorbidités du patient, la chirurgie qu'il a eue, etc., etc. Donc, globalement, il faut bien différencier l'insuffisance rénale aiguë de la nécrose tubulaire aiguë. C'est un continuum pathologique et c'est multifactoriel. Évidemment, l'insuffisance rénale aiguë augmente la mortalité et la morbidité. La meilleure prévention, c'est quand même primum non nocere, puisque nous n'avons pas de médicaments spécifiques de l'insuffisance rénale aiguë. Donc, il faut éviter les agressions, les néphrotoxiques, maintenir l'hémodynamique,
éviter la surcharge, éviter les stratégies trop restrictives aussi, parce que l'hypovolémie va évidemment générer une insuffisance rénale aiguë, et le suivi à long terme sera important chez ces patients qui ont une insuffisance rénale aiguë. Alors maintenant, une fois que l'insuffisance rénale aiguë est là, quand est-ce qu'on doit démarrer l'épuration extrarénale? Alors, il y a eu beaucoup d'études ces dernières années. Vous voyez, je vous ai mis là, Akiki, Elaine, Ideal ICU, des études qui ont, en fonction du stade d'insuffisance rénale aiguë, ont voulu voir s'il fallait épurer ou pas au stade 2, au stade 3 de Kadigo, etc. Et en fait, à chaque fois, à part l'étude Elaine, mais qui est spécifique, c'était des patients de post-chirurgie cardiaque, à chaque fois, il n'y avait pas de différence entre le précoce et le tardif. Alors, une grosse étude canadienne et internationale néo-zélandaise et australienne, avec 2500 patients, a elle aussi montré que finalement, tôt ou tard, c'est-à-dire si on faisait au stade 3 tout de suite ou si on attendait un peu qu'il y ait des causes un peu plus graves, n'avait pas véritablement de répercussions et n'avait pas de différence de mortalité entre les groupes, donc ça veut dire qu'on pouvait attendre. Sauf que, attendre, oui, mais trop longtemps, probablement pas. Et quand on fait les analyses post-hoc de ces études, on se rend compte que les patients qui ont été dans le groupe tardif, donc la delayed strategy, et qui finalement vont avoir eu besoin d'épuration extrarénale, vont mourir beaucoup plus que les autres. Donc attendre, oui, mais attention, si on se trompe et qu'on n'épure pas les gens qui en auraient eu besoin, eh bien la mortalité va être plus élevée. Et c'est pareil avec Ideal ICU, avant c'était Akiki, là c'est Ideal ICU, même chose, quand on attend trop, la stratégie retardée, eh bien la mortalité est plus importante. Alors c'est vrai qu'à une époque on a fait trop tôt, très probablement, et le balancier en médecine c'est un peu souvent comme ça, c'est-à-dire que alors qu'on a fait trop tôt un moment, là on arrive à une période où on est en train de faire souvent trop tard. Et à force de pousser, de dire mais on peut faire plus tard, on peut se passer de l'épuration extrarénale, attendons, attendons, qu'il y ait des vrais critères graves de mise en route, eh bien on aboutit à cette étude, Akiki 2, où ils ont voulu pousser l'indication à l'extrême, c'est-à-dire non, vraiment on peut attendre, c'est la more delay strategy, c'est-à-dire on attend vraiment un maximum de temps avant de mettre en route l'épuration extrarénale. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien la mortalité, là pour le coup on a vraiment vu une différence, la mortalité a augmenté dans le groupe très tardif. Donc oui, il n'y a pas de différence de mortalité entre précoce et tardif pour l'épuration extrarénale. Comme ça, quand on se base juste sur les critères de Kadigo, donc la diurèse et l'urée et la créate, il n'y a pas de différence si on fait tôt ou tard. Mais attention, c'est globalement. Et si on attend trop, eh bien là, il y a une différence qui se crée. Elle est en défaveur du groupe tardif. Donc si on attend trop, les patients meurent. Donc on peut attendre un petit peu chez certains patients, mais attention, si on attend trop, ils meurent. Puis surtout, les critères de Kadigo, qui étaient faits pour faire un classement des patients pour les études, ne sont pas des bons critères de savoir si on doit mettre en route ou pas l'épuration extrarénale. Juste se baser sur la créate et la diurèse, c'est comme si on se basait uniquement sur les résultats de gaz du sang, par exemple, pour savoir si on intube un patient. Ça n'a pas de sens. Ce ne sont que des chiffres. Donc, il faut plutôt avoir une vision globale du patient, comme dans cet algorithme qui est complètement d'actualité, où vous voyez, on regarde s'il y a des indications absolues, donc là on va débuter l'épuration extrarénale, s'il n'y en a pas, mais qu'il y a une insuffisance rénale, on va optimiser l'hémodynamique, on va regarder à quel stade est le patient de Kadigo, donc de sévérité de l'insuffisance rénale aiguë, on va regarder les facteurs associés du patient, morbidité, comorbidité, l'aggravation, la rapidité d'aggravation, les lésions possibles, les toxicités diverses et variées, et là on va se poser la question de est-ce qu'on doit débuter ou pas l'épuration extrarénale. Et on ne va pas juste se baser sur la créatinine et la diurèse, parce que ça n'a pas de sens. Voilà, c'est une vision beaucoup plus globale. Et bien voilà, on va finir avec ce schéma qui résume bien la pensée sur quand est-ce qu'on doit démarrer l'épuration extrarénale. Et je vous remercie pour votre attention. Au revoir. Merci beaucoup Olivier pour ce super topo, ma foi très très bien documenté. On vous rappelle que le professeur Johannes Boyau sera donc avec nous tout à l'heure aux alentours de 10 h pour un petit temps d'échange où vous pourrez lui poser vos questions.
Et tout de suite, on va retrouver donc le topo de Mathilde Joguet-Babu qui est avec nous et qui va nous parler des étapes clés d'une étape d'une session pardon d'épuration extrarénale. Donc on lui laisse la parole. Bonjour à tous, Mathilde Jourguet-Babu, je suis infirmière en réanimation polyvalente adulte au CHU de Clermont-Ferrand. Dans ce nouveau webinaire paramédical proposé par le comité infirmier de l'ASFAR sur le sujet de l'épuration extrarénale en réanimation, nous allons voir ensemble les principales étapes d'une session d'épuration extrarénale et tout le rôle infirmier qui en découle. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. Toutes les vidéos présentées dans ce topo ont été tournées avec les moniteurs et le matériel utilisé dans mon service actuellement. Je vous propose donc pour commencer des rappels simples pour définir les différents modes d'épuration extrarénale, le matériel nécessaire au montage du circuit. Nous verrons ensuite les étapes de branchement et de débranchement de ce circuit. La gestion paramédicale d'une session avec les changements de poche et de seringue, la gestion de l'anticoagulation et plus globalement la surveillance infirmière du patient de réanimation lors d'une session d'épuration extrarénale. Tout d'abord, voici quelques rapides rappels des principes d'épuration extrarénale utilisés en réanimation. Le mode continu le plus courant dans nos services de réa et l'hémofiltration véno-veineuse continue, ou CVVH. Elle fonctionne par principe de convection, c'est-à-dire que le transfert de petites et moyennes molécules se fait à travers une membrane semi-perméable, le filtre, grâce au gradient de pression. L'hémodialyse véno-veineuse continue, CVVHD, fonctionne quant à elle par mécanisme de diffusion, le transfert des molécules ayant lieu grâce au gradient de concentration. D'autres modes plus rares peuvent être utilisés en réanimation. L'hémodiafiltration qui couple l'action convective et diffusive. L'hémodialyse intermittente peut être proposée pour des séances discontinues de plus courte durée à haut débit. Voici une liste non exhaustive du matériel nécessaire au montage d'un circuit. Il y a néanmoins quelques variantes dépendantes du mode d'épuration extrarénale choisi. Dans tous les cas, de façon générale, il faudra un set d'épuration extrarénale spécifique à chaque moniteur. La machine reconnaît par lecture d'un code barre le set correspondant. Une ligne de réchauffeur à 100. Une poche de NaCl 0,9% de 2 litres nécessaire à l'amorçage, c'est-à-dire à la purge du circuit. Des solutés de dialyse. Donc hémosol ou foxidium, des poches à effluents ou un kit d'auto-effluents pour une évacuation directement dans les canalisations, un set de branchement composé d'un champ stérile troué de préférence, de deux seringues de Luerlock, de NaCl 0,9%, de compresse stérile et d'antiseptique, des gants stériles et 1 litre de NaCl 0,9% pour la restitution ainsi qu'une tubulure simple. Si le traitement prescrit se fait sous anticoagulation régionale au citrate, il faudra donc des poches de soluté citratée type régiocyte et des seringues à pouce seringue de 50 ml et des ampoules de calcium, chlorure ou gluconate selon les habitudes de service ainsi qu'une tubulure spécifique. Si le circuit est anticoagulé de façon systémique, il faudra donc un flacon d'héparine pour la solution de NaCl qui sert à la purge du circuit et une seringue de perfusion pour le moniteur. Vous pouvez donc voir sur cette photo le matériel cité à l'instant. Donc de gauche à droite, vous avez le kit d'épuration, le Thermax ici pour la prise max, mais sinon c'est la tubulure de réchauffeur, le flex de 2 litres de NaCl 0,9% pour la purge du circuit. Juste en dessous, la seringue avec la tubulure spécifique à la Prismax pour la seringue de calcium. On partit sur une thérapie en hémofiltration au citrate. Nous avons donc la poche de régiocyte qu'on
comporte le citrate, et les deux poches de Foxilium ou les deux poches d'Hémosol selon la prescription médicale. Vous trouvez ensuite le plus à droite possible un litre de sérum physiologique utilisé pour la restitution et le kit de branchement et débranchement ainsi que des gants stériles. Savoir que les différents moniteurs présents dans nos services ont été paramétrés en amont par les constructeurs et que tous ces réglages ont été vérifiés et validés par les médecins des services de soins. Par exemple, le choix des thérapies proposées, le type de molécules de calcium présentes dans les services et le type de seringue pour le pouce seringue. Je vais donc passer rapidement sur le montage du circuit d'épuration extrarénale parce que toutes ces étapes sont expliquées par écrit et détaillées grâce à des illustrations sur l'écran des moniteurs. Elles doivent être suivies à la lettre pour être validées et reconnues par la machine et s'enchaîner les unes à la suite des autres. Sur cette vidéo, on amorce le circuit qui a été monté en hémodialyse sous anticoagulation à l'héparine suivant la prescription médicale. On utilise une poche de NaCl 0,9% de 2 litres héparinée. L'amorçage dure environ 10 minutes. Il faut s'assurer pendant cette purge que le circuit est complètement exempt d'air. Avant tout branchement du circuit, la vérification du bon fonctionnement du cathéter de dialyse est nécessaire. Les principaux abords veineux du cathéter sont la veine jugulaire ou la veine fémorale. Très souvent, ce sont des cathéters en canon de fusil avec une lumière proximale rouge qui servira de voie d'entrée, là où sera aspiré le sang du patient pour aller dans le circuit, et une voie distale bleue qui est la voie de retour du sang épuré au patient. On s'assurera de la perméabilité de ces deux voies et on vérifiera le pansement et principalement la fixation du cathéter de dialyse à la peau avant de brancher le circuit d'épuration extrarénale. Tout d'abord, il existe différents types de cathéters de dialyse qui proposent différentes dispositions de lumière. De façon générale, on utilise des cathéters en canon de fusil avec une première sortie proximale qui est donc la plus proche du cathéter et une sortie distale à l'extrémité de celui-ci. Le branchement des lignes du circuit sur le cathé se fait d'emblée et dans la majorité des cas en suivant le code couleur. La voie d'entrée rouge du cathé est la voie proximale. C'est ici qu'est aspiré le sang du patient pour aller dans le circuit. La voie de retour bleue du cathé est la voie distale la plus éloignée du cathéter. C'est ici que le sang est restitué au patient après avoir été épuré. Dans certaines situations, par exemple des pressions élevées au niveau du cathéter ne permettant pas d'assurer un débit suffisant dans le circuit, nous pouvons être amenés à inverser les voies, c'est-à-dire brancher la voie d'entrée rouge du circuit sur la voie bleue distale du cathéter et brancher la voie de retour bleue du circuit sur la voie rouge proximale du cathéter. Dans ce cas précis, on perd une part non négligeable d'efficacité du traitement, car du sang déjà épuré sera réaspiré en partie dans le circuit. Il faut donc aller en référer au médecin au plus tôt. Nous vous présentons dans cette vidéo les étapes sur une machine PrismaFlex de Baxter. Il y a des spécificités selon chaque service et chaque moniteur d'épuration. Il faut donc se référer aux protocoles et pratiques de chaque service. Le branchement peut se faire après la vérification minutieuse que tout le circuit est exempt d'air. La machine de dialyse est sur l'écran branchement patient. Toutes les lignes doivent être clampées. On ouvre ensuite le champ stérile de branchement.
un champ troué est à disposition pour mettre autour du cathéter. On utilise deux seringues de 20 ml de sérum physiologique ainsi que deux seringues de 3 ml pour purger les voies. On aspire sur chacune des deux voies le verrou épariné et dans le même temps on vérifie la perméabilité de celle-ci. Puis on rince avec 20 ml de sérum physiologique par à-coup et on clampe en pression positive. Une fois toutes les lignes branchées, elles peuvent être déclampées à l'exception de celle qui relie le sérum physiologique de restitution au cathéter de dialyse. Puis on démarre la pompe à sang. Le sang est aspiré dans le circuit, il passe dans le filtre du circuit et repart au patient. Dès lors, on peut régler le débit sang et les autres paramètres d'épuration selon la prescription médicale, tout en surveillant la tolérance hémodynamique du patient et les différentes pressions mesurées sur le circuit. La restitution se fait avant tout débranchement, hors situation d'urgence ou problème technique. Par exemple, pour changer le set de dialyse, arrêter le traitement, ou bien déplacer le patient à un examen ou au bloc opératoire. Cette étape est importante car elle permet de réinjecter au patient le sang contenu dans le circuit d'épuration, soit 150 à 200 ml selon les modèles de machines. Pour la restitution, il faut mettre fin au traitement. Un mode de restitution automatique est proposé, mais elle peut se faire aussi manuellement. On clampe la voie d'entrée du cathé et on déclampe la voie du Y reliée au sérum physiologique. Puis on lance la restitution. Le sérum physiologique est donc aspiré par la voie rouge du circuit, passe par le filtre, le sang contenu dans le circuit est ainsi réinjecté en totalité au patient par la voie de retour bleue. Le débranchement se fait hors situation d'urgence ou problème technique après la restitution du sang au patient. Puis on réitère les mêmes manipulations du cathéter que lors du branchement, c'est-à-dire masque, charlotte et gants stériles, utilisation d'un set de débranchement avec un champ stérile troué. On déconnecte le circuit du cathéter du patient, purge des deux voies avec la seringue de 3 ml. Puis rinsure avec la seringue de 20 ml par à-coup et plus ou moins un verrou épariné selon les pratiques du service. Le set peut alors être retiré de la machine. L'ensemble des déchets s'évacue dans les contenants disponibles dédiés aux déchets d'activité de soins à risque infectieux. Sur cette vidéo, la machine nous alarme par un signal sonore et lumineux d'intensité moyenne, c'est-à-dire une alarme jaune, que la poche à effluents est pleine. Il faut bien veiller à clamper les connexions du circuit et de la poche lors du remplacement de celle-ci.
Il suffit d'enfoncer le peson délicatement jusqu'au clic et d'éclamper la connexion qui va du circuit d'épuration extrarénale jusqu'à la poche à effluent. Il faut aussi veiller à vérifier que le clin de la vidange effluent est bien fermé. Sur cet extrait, je change par avance la poche qui va se terminer dans une vingtaine de minutes. En cliquant sur l'écran pour avertir le moniteur de la poche concernée, même si le retrait du peson l'indiquera aussi à la machine. Le peson doit être enfoncé délicatement après le changement de la poche pour permettre la mise à jour des balances et le calcul du temps restant selon les débits paramétrés initialement. Sur cet extrait, je change par avance la poche qui va se terminer dans une vingtaine de minutes. En cliquant sur l'écran pour avertir le moniteur de la poche concernée, même si le retrait du peson l'indiquera aussi à la machine. Le peson doit être enfoncé délicatement après le changement de la poche pour permettre la mise à jour des balances et le calcul du temps restant selon les débits paramétrés initialement. Il en est de même pour les changements des autres poches. Cependant, je souligne le caractère essentiel de préparer le matériel et surtout les solutions nécessaires à la thérapie prescrite pour ce patient. Dans notre service, nous utilisons un chariot devant la chambre du patient qui rassemble le matériel nécessaire et qui respecte la prescription médicale. Ceci dans le but de limiter la confusion et les erreurs surtout quand un collègue qui n'a pas en charge le patient change une poche. Le changement de seringue se fait de la même manière en sélectionnant sur l'écran la seringue de calcium. Le moniteur propose de changer la ligne de calcium et la seringue ou uniquement la seringue. Dans cet extrait, je clampe la tubulure, le chariot du pousse-seringue électrique se baisse, je connecte puis installe la nouvelle seringue de calcium. Le moniteur fait un test sur cette seringue, puis je déclampe la ligne de calcium. Concernant l'anticoagulation du circuit d'épuration extrarénale, il en existe deux types. L'anticoagulation à l'héparine non fractionnée, ou plus rarement à l'orgaran en cas d'allergie à l'héparine. Cette anticoagulation est dite systémique car on anticoagule le circuit et le patient. Elle est indiquée en cas d'insuffisance hépatocellulaire ou d'intolérance au citrate. La seringue d'héparine sera disposée sur le pouce-seringue électrique du moniteur à une concentration et un débit prescrits par le médecin. Cette thérapie sera surveillée lors des bilans de coagulation très réguliers par le dosage de l'anti-10A dont la cible est 0,2 à 0,4 unités par millilitre. A savoir que sur le moniteur de Prismax, il est possible d'ajouter une seringue en cours de traitement, même si le programme initial a été choisi sans seringue lors du montage du circuit. L'anticoagulation au citrate est dite régionale car elle anticoagule uniquement le sang circulant dans le set de la machine. Le calcium ionisé, forme active du calcium présent dans le sang du patient, intervient dans la cascade de coagulation. Le citrate se chélate, c'est-à-dire qu'il s'unit avec les ions calcium du sang du patient, formant ainsi des complexes citrate-calcium, ce qui permet au sang d'être plus fluide. En effet, l'injection de solution citratée pendu sur le peson blanc de la machine, se fait au niveau de la voie d'entrée rouge du circuit, en amont du filtre et de la pompe à sang, au débit réglé par défaut de 3 mmol par litre. Juste avant le début de la thérapie, il faudra donc s'assurer de la normalisation de la calcémie ionisée du patient, qui doit être supérieure à 1,10 mmol par litre. Suite à l'utilisation de ce calcium dans le circuit,
Il faudra compenser cette hypocalcémie présente en fin de circuit sur la voie bleue par la seringue de calcium 10% branchée autant que possible sur une voie dédiée du cathéter central du patient. Attention à ne jamais perfuser de calcium pur sur une VVP au risque majeur de nécrose cutanée. La compensation de calcium est réglée par défaut à 100%. À savoir qu'il existe du chlorure de calcium et du gluconate de calcium. Le chlorure de calcium étant beaucoup plus concentré que le gluconate. Il est quand même préférable d'avoir une seule concentration dans le service pour limiter les erreurs médicamenteuses. Les indications et contre-indications au traitement d'anticoagulation régionale au citrate seront abordées plus précisément dans la prochaine présentation. On peut tout de même retenir que ce traitement a beaucoup d'indications pour très peu de contre-indications. Il faut être néanmoins très vigilant sur les complications induites par ce traitement. Les complexes citrate-calcium sont en partie éliminés dans l'effluent, mais une autre partie passe dans la circulation sanguine et métabolisée par le foie et forme des bicarbonates. Le risque principal de ce traitement est donc l'accumulation au citrate. En effet, l'alcalose métabolique, induite par une dose de citrate trop importante, avec un métabolisme hépatique correct, augmente le taux de bicarbonate. Il faudra donc surveiller de façon rapprochée les gaz du sang pour surveiller le pH, les bicarbonates et le calcium post-filtre du patient. Il sera nécessaire de baisser probablement la dose de citrate injectée au circuit. L'acidose métabolique, quant à elle, correspond à des complexes citrate-calcium altérés. Il reste dans la circulation sanguine, ce qui fait diminuer le pH sanguin. La conduite à tenir serait de suspendre l'injection de citrate pour épurer ces complexes. Le dosage du calcium total quotidien nous permet d'évaluer cette accumulation de citrate par le rapport du calcium total par le calcium ionisé du patient. Si ce chiffre est supérieur à 2,5 millimoles par litre, c'est le signe d'une accumulation au citrate. L'avantage majeur de ce traitement est néanmoins l'augmentation de durée de vie du filtre et la diminution du risque hémorragique. Il reste assez peu contraignant quand les débits et les calcémies sont équilibrés et qu'un système d'analyse des gaz du sang est disponible dans les services ou à proximité. La surveillance de l'anticoagulation régionale au citrate se fait par des prélèvements très réguliers des calcémies ionisées du patient sur cathéter artériel ou cathéter central et du dosage du calcium ionisé en post-filtre sur le circuit d'épuration extrarénale. Il suffit alors de faire une gazométrie sur le site de prélèvement bleu situé à la sortie du filtre. Il est préférable de débuter un traitement d'hémofiltration au citrate avec une normocalcémie. Ces calcémies par les prélèvements par gazométrie sont préconisées une heure après le branchement, puis toutes les 4 heures pendant les 24 premières heures, et ensuite toutes les 6 heures, tant qu'il n'y a pas de modification de débit de citrate ou de la compensation calcium. Pour des résultats optimaux, ces prélèvements sont aussi à faire au minimum 30 minutes après une intervention sur la machine, que ce soit un changement de poche ou de seringue, ou une modification de débit. La surveillance des calcémies ionisées du patient et du post-filtre permet d'ajuster le débit de citrate apporté au circuit et ou la compensation de calcium apportée au patient grâce à des ABAC validés dans les protocoles de service. Ce type de protocole permet une certaine autonomisation des infirmiers. L'objectif de calcémie ionisée du patient doit être compris entre 1 et 1,20 mmol par litre. La cible de calcémie ionisée post-filtre, par contre, doit être comprise entre 0,25 et 0,35 mmol par litre. Elle correspond à l'anticoagulation du filtre. Il existe différents types d'ABAC disponibles pour les services de soins. Celui-ci montre la calcémie cible dans la colonne centrale en vert. Si la calcémie du patient est inférieure à 1 mmol par litre, il est indiqué qu'il faut augmenter la compensation de calcium de 10%. Inversement, si cette calcémie est supérieure à 1,25 mmol par litre, il faut alors diminuer la compensation de 10%. De même pour le calcium post-filtre.
La cible étant à 0,25-0,35 millimol par litre. Si ce calcium post-filtre est inférieur à 0,25, il faudra donc diminuer la dose de citrate de 0,5 millimol par litre. Et si cette calcémie est supérieure à 0,35 millimol, il faudra augmenter le débit de citrate sur la machine de 0,5 millimol par litre. Voici l'exemple du protocole utilisé dans mon service pour un patient épuré en hémofiltration anticoagulé sous citrate. Admettons que le patient fasse 90 kg, le débit sang sera réglé de façon automatique à 150 ml minute et le débit de réinjection à 1500 ml/h. Il pourra être réparti sur les deux poches vertes et violettes de la machine à 750 ml/h par poche. Le débit de citrate sera par défaut débuté à 3 millimoles par litre et la compensation calcium à 100%. Il indique que le patient hypocalcémique devra être supplémenté avant le branchement. Il précise aussi les fréquences de surveillance des calcémies ionisées post-filtre et du patient. La cible qui a pour point central la calcémie normale montre en abscisse la calcémie post-filtre et donc les conduites à tenir si le chiffre est hors cible, et en ordonnée la calcémie du patient, exactement de la même façon si le chiffre est hors cible, les conduites à tenir concernant la compensation calcium. En revanche, en cas de résultat trop déséquilibré, de modification de débit qui n'améliore pas les calcémies, de troubles du pH, d'alcalose ou d'acidose métabolique, il faut absolument en référer au médecin. Pour résumer, l'anticoagulation régionale au citrate, elle présente des avantages indéniables comme la longévité du filtre. Mais elle nécessite aussi une surveillance particulièrement précise et fréquente de la biologie et de la clinique de nos patients. Elle permet tout de même une certaine autonomie des infirmiers grâce au protocole de service validé, même si les transmissions très régulières aux médecins restent primordiales. La surveillance infirmière d'un patient de réanimation est encore plus rapprochée quand il est sous épuration extrarénale. Concernant la surveillance hémodynamique, on sera vigilant à l'hypotension artérielle induite par un débit sang élevé ou une hypovolémie. Il nécessitera parfois d'un soutien tensionnel par des amines ou un remplissage vasculaire selon l'état hémodynamique. On veillera aussi à l'hypothermie car c'est une circulation extracorporelle et au risque d'hypoglycémie car le glucose est filtré par l'épuration extrarénale. Il faut être vigilant aux déséquilibres ioniques. Sous citrate, ils sont nombreux. Tout d'abord l'hypocalcémie ionisée, très courante, qui peut arriver quand il y a trop de citrate dans le circuit et ainsi il faut adapter la compensation calcique au patient. L'hypomagnésémie arrive aussi car le magnésium est chélaté par le citrate lors de l'épuration extrarénale, ainsi une supplémentation quotidienne peut être faite. L'hypernatrémie est très courante car le soluté citraté est très concentré en sodium et les complexes citrate calcium libèrent des ions sodium lors des chélations. Pour les deux types d'anticoagulation sur l'épuration extrarénale, il faudra quand même surveiller l'hypophosphorémie et l'hypokaliémie. La déplétion cumulée relevée quotidiennement sur la machine de dialyse ainsi que la mesure du poids du patient et la surveillance d'une reprise de diurèse permettront de surveiller la balance hydrosodée du patient. Lors des mobilisations et de l'installation de notre patient, il faut être particulièrement vigilant aux connexions du cathéter de dialyse avec le circuit d'épuration extrarénale. Le pansement et le point de ponction seront aussi vérifiés à chaque branchement et débranchement. Voici un exemple de feuille de surveillance de circulation extracorporelle qui est ajoutée à notre dossier de soins informatisé. En effet, nous avons des moniteurs qui sont connectés au réseau et qui permettent un relevé automatique des données. Donc là, vous voyez que le patient est en hémofiltration. Sur une prise max avec un set ST150.
sont relevés de façon horaire le débit de la pompe à sang et là de la post-dilution, ainsi que la déplétion horaire prescrite et la déplétion cumulée depuis le début du traitement. Vous voyez aussi toutes les pressions du circuit qui sont relevées, c'est-à-dire la pression d'entrée sur la ligne artérielle, la pression veineuse sur la ligne bleue de retour et la PTM. Il y a aussi sur cette page les débits de citrate et de calcium qui sont en cours sur la machine, ainsi que les chiffres de calcium ionisé post-filtré et de calcium ionisé patient relevés sur la machine de gazométrie du service. Ce relevé automatique reste très pratique, mais ne dédouane en rien la surveillance clinique rapprochée du patient faite par l'infirmière, ainsi que la surveillance des alarmes sur le moniteur de dialyse. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, l'épuration n'empêche en rien la réhabilitation précoce du patient en réanimation. Il faut néanmoins veiller à être en totale sécurité au niveau des connexions et en nombre suffisant de personnel pour pouvoir mobiliser les patients branchés aux machines de dialyse. Pour conclure, le travail d'équipe est primordial pour la prise en charge de patients sous épuration extrarénale. La surveillance rigoureuse et spécifique de ces patients et du moniteur est nécessaire. La connaissance des traitements, du matériel et des protocoles ainsi que l'anticipation des interventions garantissent un traitement efficace. Les formations proposées par les constructeurs, l'information, les ateliers pratiques prévus dans nos services permettre la transmission de l'expertise et l'amélioration de nos pratiques. L'évolution de ces moniteurs d'épuration étant continuelle, certains d'entre eux permettent aussi d'autres assistances d'organes, comme la MARS, qui permet l'épuration extrahépatique par dialyse à l'albumine, en cas d'insuffisance hépatique sévère ou d'intoxication au paracétamol, par exemple. Et de façon plus anecdotique, encore à la phase expérimentale, PrismaLung permet l'épuration du CO2 par décarboxylation du sang circulant. Je vous remercie de votre attention. Merci Mathilde pour ce topo très synthétique. C'est toujours agréable d'avoir les réponses à nos questions en vidéo. Merci beaucoup. Nous allons maintenant accueillir en direct le professeur Johannes Boyau de Bordeaux qui est là pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas si vous avez des points à approfondir, à nous poser vos questions sur le site de la SFAR. Nous allons nous faire un plaisir d'y répondre. Donc bienvenue professeur, merci beaucoup d'être avec nous pour ce direct. Est-ce qu'il y a déjà des choses que vous aimeriez dire concernant votre topo, des choses, un point à approfondir par exemple, ou quelque chose que vous dites aux infirmiers avec lesquels vous travaillez concernant l'anatomie, physiologie du rein ou les indications de la dialyse. Eh ben merci, bonjour à tous. Deux, trois petits points juste qu'on peut rajouter, c'est même s'il y a une prise en compte assez importante ces dernières années de l'insuffisance rénale en réanimation, il y a encore, je pense, pas mal de patients qui ont une petite insuffisance rénale, des montées un peu du récréate, etc., et qui passent sous des écrans radars. Voilà. La gestion des néphrotoxiques aussi reste encore un point à évaluer. Donc, il faut continuer à bien
bien comment dire, former et intéresser les gens à l'insuffisance rénale parce que ça a des conséquences. Donc ça, c'est le premier point. Et j'ai évoqué quand brancher l'épuration extrarénale. J'ai sciemment pas vraiment donné parce que c'était les indications. Alors, je pense qu'au fur et à mesure du temps, les indications vraiment absolues tombent parce qu'on se rend compte que, par exemple, l'acidose, c'est plus compliqué que juste qu'il y a une acidose à 7,15 et on branche la machine. L'urée élevée, bon, on a vu avec les dernières études qu'effectivement, il ne faut pas attendre trop parce que la mortalité augmente, même si on peut attendre. Mais c'est fonction de beaucoup de paramètres. C'est pour ça que j'ai préféré mettre juste le diagramme à la fin. Parce que quand brancher l'épuration extrarénale est vraiment plus une question de faisceau d'arguments, d'état du malade, de tout un tas de choses, que juste des indications comme ça. Il a un chiffre et donc on branche, ce qui ne me paraît pas adéquat, sauf si effectivement il y a par exemple une hyperkaliémie menaçante qui ne répond pas au traitement médical. Ça, c'est une cause de branchement rapide de l'épuration extrarénale. Mais en dehors de ça, on est plutôt sur vraiment appréhender le malade dans sa globalité, savoir s'il y a un bénéfice important à brancher à un moment donné, et un autre plus que sur un chiffre comme ça qui sort du chapeau. Très bien, merci. C'est parfait. Ça me fait rebondir sur la première question qu'on a reçue concernant la place des diurétiques dans la mise en place ou le sevrage de l'épuration extrarénale. Est-ce que ça a un intérêt donc de donner de fortes doses de diurétiques avant la mise en place de traitement? Alors c'est une bonne question parce que c'est un vrai serpent de mer, cette affaire des diurétiques. Ça a d'abord été considéré comme un bon traitement pour attendre et éviter l'épuration extrarénale. Après, ça a été considéré comme comme très délétère. On a imaginé que en fait les diurétiques, notamment les diurétiques de Lens comme le Lasilix, le furosémide, bloquent une pompe qui est la pompe NACACC qui permet de réabsorber du sodium, du chlore et du potassium. Et on pensait qu'en bloquant cette pompe, on diminuait le travail rénal, la consommation d'oxygène, et donc que c'était un bienfait. Bon, tout ça a été battu en brèche. En fait, les diurétiques sont pas ni des poisons, ni la baguette magique. Il faut voir les diurétiques. Les diurétiques n'ont qu'un seul intérêt, enfin, en fait, en réanimation, c'est traiter la surcharge hydrosodée. Voilà. Donc, ils ne doivent être utilisés que dans le traitement de la surcharge hydrosodée. Donc, ils ne doivent pas être utilisés pour éviter l'épuration extrarénale, ils ne doivent pas être utilisés pour améliorer le sevrage de l'épuration extrarénale, puisque ça ne marche pas plus que ça. Ils ne sont utilisés que pour le traitement de la surcharge hydrosodée. Donc, si on peut éviter une épuration extrarénale parce que grâce au diurétique, on peut traiter la surcharge hydrosodée sans que la fonction rénale ne s'aggrave et qu'on ait une accumulation d'urécréate, par exemple, et d'autres toxines, puisque l'urécréate sont des marqueurs, mais ça veut dire que d'autres s'accumulent aussi, bah, on peut utiliser les diurétiques, par exemple. Voilà. Si les diurétiques permettent d'éviter de rebrancher, une fois qu'on a arrêté de l'utiliser, de rebrancher une machine d'épuration extrarénale parce qu'on arrive à gérer l'état hydrique du patient uniquement avec les diurétiques, eh ben c'est parfait, on utilise les diurétiques. Les diurétiques. Toute autre cause, enfin, ou raison d'utiliser les diurétiques ne doivent pas être faites. C'est-à-dire que mettre des grosses doses de diurétiques alors que le patient n'urine pas, a une diurèse faible et continue à avoir une dégradation de sa fonction rénale, non. Ça n'a pas d'intérêt. Mettre des diurétiques pour voir si on peut sevrer le malade de la machine, non plus, ça n'a pas d'intérêt. Les dernières études montrent que c'est un mauvais facteur pronostique. La diurèse sous diurétique pour savoir si on peut sevrer le patient. En fait, la diurèse spontanée sans diurétique est meilleure au niveau pronostic que la diurèse avec diurétique pour savoir si on peut sevrer ou non l'épuration extrarénale. Donc voilà, les diurétiques, on traite la surcharge. S'ils fonctionnent pour traiter la surcharge, très bien. S'ils ne fonctionnent pas, ça ne sert à rien, ni pour sevrer, ni pour empêcher de brancher une machine. Voilà, donc globalement, résumé le problème des diurétiques. Et les très grosses doses, attention, ça devient toxique. Donc, les diurétiques, c'est dose dépendant. Donc, si on veut faire ce qu'on appelle le furosémide stress test, qui a encore une place un peu compliquée à savoir comment l'utiliser, c'est 10, 20 mg, 40 mg maximum. Voilà, ça, c'est les doses pour savoir si ça fonctionne. Si ça fonctionne pas à 40 mg, à moins que le patient ait déjà des diurétiques avant, et donc dans ce cas-là, il y a souvent une tachyphylaxie, donc une habituation aux diurétiques.
S'il n'a jamais eu de diurétique avant, ce n'est pas la peine d'envoyer 250 mg de diurétique si 40 n'ont pas d'effet. Voilà, ça va être toxique et inefficace. Donc, on titre les diurétiques, on regarde s'il y a des effets à des petites doses. S'il n'y en a pas, il y a peu de chances qu'il y en ait à des plus grosses doses. S'il y en a, eh ben on peut voir si en augmentant les doses, on peut arriver à gérer la surcharge. Voilà, globalement, on pourrait dire sur les diurétiques. D'accord. Donc bah du coup on enchaîne un petit peu sur une autre question qui serait en lien. Donc est-ce qu'il y aurait en soi une possibilité de prévenir une insuffisance rénale aiguë en amont? Le problème, c'est alors prévenir une insuffisance rénale aiguë en amont, c'est compliqué, étant donné que les causes d'insuffisance rénale aiguë sont souvent multifactorielles. J'ai marqué ce que j'ai un peu montré dans la présentation. Il va y avoir les problèmes hémodynamiques, le sepsis lui-même, des effets potentiellement toxiques avec les médicaments, etc. Donc c'est compliqué étant donné que les malades de réanimation qui arrivent en général sont assez instables et nécessitent des traitements lourds. C'est compliqué de savoir si le traitement va plus être toxique pour le rein ou moins parce qu'on va améliorer le patient. Et donc, bah, c'est toujours une idée de bénéfice-risque. Alors, le rein, c'est une fonction, hein, donc si on sauve pas le patient, le rein, bah, c'est sûr qu'il mourra avec le patient. Donc, il faut toujours faire attention. Il vaut mieux quand même toujours sauver le fonctionnaire plutôt que la fonction. Voilà. Après, protéger le rein, ça va être toujours avoir dans l'idée qu'effectivement, il faut le bénéfice-risque. C'est-à-dire, si on n'a pas besoin de mettre un néphrotoxique de façon vraiment importante pour aider le malade, bah, dans ce cas-là, on évite le néphrotoxique, par exemple. Voilà. Si on peut rétablir plus vite l'hémodynamique, on rétablit plus vite l'hémodynamique. Mais bon, malheureusement, on n'a pas encore suffisamment de biomarqueurs, même s'ils s'améliorent, tellement des biomarqueurs un peu plus précis, mais on n'a pas encore de biomarqueurs suffisamment précis et suffisamment spécifiques pour pouvoir vraiment gérer les traitements et la prise en charge du patient uniquement sur ces biomarqueurs. Voilà. Pour l'instant, pas encore. Ça commence un peu, mais pas suffisamment. Donc, non, c'est se poser toujours la question, est-ce qu'en donnant ce traitement, est-ce qu'en faisant cette manœuvre, j'aurai plus d'effets bénéfiques dans sa globalité pour contrecarrer les potentiels effets négatifs sur le rein. Voilà. Okay. Merci Olivier, du coup. Alors, on a une question plus pratique concernant les recommandations qui existent sur la systématisation des verrous heparinés sur les cathés de dialyse. Alors, il y a plusieurs questions dans la même, c'est-à-dire les verrous heparinés sur les cathédés lors de traitement continu. Donc, est-ce qu'il faut les systématiser quand même? Et la deuxième partie, c'est plus une question pratico-pratique sur est-ce qu'on fait un verrou avant branchement uniquement? Est-ce qu'on fait des verrous avant et après le branchement? Ou est-ce qu'on fait un verrou uniquement au débranchement de la machine? Il y a plusieurs Alors, questions. oui, alors, les verrous. Donc, en fait, les verrous à l'héparine semblent pas la meilleure solution. En fait, l'idée, c'est on fait un verrou, globalement, si le cathé doit rester. Alors, on fait un verrou avec autre chose que du NaCl, uniquement si on pense que le cathé va rester sans être branché à une machine pendant plus de 12 heures. Voilà, 12-24 heures, globalement. Si la machine doit être branchée dans les 2 heures, ça ne sert à rien de faire un verrou. Dans ce cas-là, on fait rinçage et mise de NaCl sous pression. Donc on fait pression et on ferme juste derrière le cathé. Et ça, normalement, ça permet de maintenir le cathé bien et ça évite de faire des verrous qui, s'ils sont mal gérés, peuvent être dangereux. Si le cathé doit rester sans branchement pendant plus de 12 heures ou plus de 24 heures, ça dépend des services, dans ce cas-là, il vaut mieux faire un verrou. Et si on fait un verrou,
Il vaut mieux utiliser le citrate que l'héparine. Pour deux raisons, parce que l'héparine n'a vraiment dans les études, n'a jamais montré d'efficacité majeure, alors que le citrate, oui. Et le citrate va avoir deux actions. Si vous le mettez à une concentration suffisante, c'est-à-dire 30%, c'est pas du citrate à 4%, hein, c'est plutôt du citrate à 30%, et bien dans ce cas-là, il va être bactéricide et bloquer la coagulation. Donc, le seul truc, c'est qu'il faut faire très attention, encore plus qu'avec l'héparine, c'est-à-dire bien sortir le verrou avant de brancher la machine, parce que sinon, un gros bolus de citrate concentré, ça va faire une hypocalcémie en regard et pas terrible. Mais sinon, c'est le plus efficace. Donc, si on sait que le caté va rester sans branchement plus de 12 heures ou plus de 24 heures, le mieux, c'est verrou citrate, citrate concentré. Voilà. Et pareil, on suit en volume les recommandations sur le caté en millilitres pour injecter ce citrate pur qu'on injecte doucement pour éviter, alors là pour le coup, pour éviter un bolus et que ça fuit. Donc il faut vraiment l'injecter doucement le volume requis. Voilà. Donc l'héparine, on évite en fait. Ah, il n'y a plus de micro, Mathilde Clermont. Ah mince. Ah, ça y est. Non? C'est bon. Merci, merci en tout cas pour cette réponse. Je ne sais pas si Mathilde, mon homologue, Mathilde de avait Strasbourg. une. C'est ça. Exactement. Alors, moi, il y a une question qui nous est arrivée là. Je la cherche, excusez-moi. À l'arrêt du traitement, l'insuffisance rénale se poursuit-elle? Si oui, combien de temps? Est-ce qu'on peut guérir en fait d'une insuffisance rénale aiguë tout de suite après la fin d'une session d'épuration? Je pense que c'est ça le Ah, but de la question. oui. Alors, c'est complexe de savoir exactement. On pensait à une époque schématisant que l'insuffisance rénale aiguë du patient de réanimation septique, par exemple, ce qui est le plus courant chez nous, c'était de la nécrose tubulaire aiguë. Et puis voilà, donc soit ça se réparait, soit c'était fini. Bon. Il se trouve que c'est beaucoup plus complexe que ça. En fait, quand on fait des biopsies, j'en ai un peu parlé dans le topo, mais quand on fait des biopsies, il y a évidemment un peu de nécrose tubulaire aiguë, mais il y a un peu de néphrite, il y a un peu de glomérulonéphrite, il y a un peu de choses comme ça. Donc tout se mélange. Donc oui, on peut récupérer d'une insuffisance rénale aiguë. Alors, il y a plusieurs choses qui sont compliquées parce que on ne sait pas encore sur le timing. Vous avez vu, c'est compliqué parce que les études sont faites sur l'urécréate. Donc, si l'insuffisance rénale aiguë récupère rapidement, c'est-à-dire en moins de 3 semaines, c'est que probablement c'était pas de la grosse nécrose tubulaire aiguë. Il y avait associé à l'insuffisance rénale aiguë un peu de fonctionnel, je dirais. Et puis donc le rein s'est rapidement amélioré. Et puis en 7-8 jours, le patient a récupéré cette insuffisance rénale aiguë. Là, la question est toujours de savoir est-ce qu'on a bien fait de brancher l'épuration extrarénale ou est-ce que le patient aurait récupéré tout seul? Ça, c'est une question qu'on ne peut pas trancher pour l'instant. Moi, j'ai tendance à penser qu'on a permis au rein de récupérer parce qu'on a branché cette épuration extrarénale sans la brancher trop tôt, mais à un moment où la surcharge hydrosautée qu'on ne pouvait pas traiter, l'accumulation de toxines, etc., avait une action délétère sur le rein. Donc, ce branchement a permis au rein de récupérer. Donc ça, c'est quand le rein récupère en moins de 10 jours. Quand le rein récupère après 3 semaines, là, en général, c'est qu'il y a eu vraiment une grosse atteinte du néphron, souvent pas mal de nécrose tubulaire aiguë, et donc on a dû épurer ou traiter le patient avec une épuration extrarénale continue d'abord, puis peut-être discontinue après, mais pendant au moins 3 semaines, et là, le rein va commencer à récupérer. Pour récupérer, le rein doit refabriquer de la cellule tubulaire. Il sécrète des produits qui, eux aussi, peuvent être éliminés par l'épuration extrarénale. C'est pour ça que quand le rein récupère pas au bout de 10 jours, il faut commencer à regarder les signes de récupération rénale pour pas rater le moment où le rein récupère et pas continuer à faire de l'épuration extrarénale alors qu'on pourrait devenir délétère en éliminant des substances qui permettent au rein de se réparer. Donc là, on sait que si ça récupère pas au bout de 8 jours, en général, ça peut récupérer au bout de 3 semaines. Et donc là, faut pas rater le coche. Voilà. Il faut vraiment pister les reprises de diurèse spontanées,
quand on fait des fenêtres, voir si l'urécréate remonte rapidement ou pas, des choses comme ça. Voilà. Et être attentif et ne pas laisser perdurer une épuration extrarénale sous prétexte que le patient, ça fait 15 jours qu'il a pas pissé, qu'il est en insuffisance rénale aiguë, et on se dit, bon, bah, c'est mort pour le rein, on va continuer à traiter comme ça. Non, non, il faut réévaluer. Au même titre que tous les traitements, il faut réévaluer régulièrement la fonction rénale du patient. S'il est hémodynamiquement stable, etc., bah, faire plutôt de l'intermittent sur la nuit ou sur 12 heures pour voir ce qui se passe les 12 autres heures. Couper la perte patient, par exemple, voir s'il y a une urèse qui reprend. Voilà, toutes ces choses-là, il fait qu'il faut voir si le rein récupère pour pas inutilement continuer à utiliser un traitement qui, s'il n'est plus vraiment utile, bah, sera potentiellement délétère. Hein, parce que un tout traitement qui n'est pas vraiment utile est une cause de toxicité possible. Donc voilà. Et le rein récupère rarement comme ça en une fraction de seconde. Ou alors, c'est que probablement on a branché un petit peu trop tôt l'épuration et que ce patient allait récupérer, c'était beaucoup de fonctionnel et puis il est reparti comme ça. Donc en général, non, à l'arrêt de l'épuration extrarénale, il n'est pas rare qu'on soit obligé de reprendre une séance à 3-4 jours parce que le patient s'inflate, le rein n'a pas complètement repris, l'urécréate remonte, etc. Donc c'est vraiment une gestion personnalisée de la chose. Le rein ne récupère pas paf comme ça, il récupère doucement, faut l'accompagner et pas être délétère en poursuivant un traitement qui peut s'avérer inutile au bout d'un moment, quoi. Voilà. Donc bien réévaluer quotidiennement les besoins en épuration extrarénale. Ouais, c'est vrai ce que vous dites et je rebondis un peu là-dessus parce que je trouve que la pluridisciplinarité de tout ça ben, joue un rôle important dans cette reprise de diurèse, les signes avant-coureurs, les signes efficaces de l'épuration extrarénale. Je l'ai un petit peu dit dans mon topo, mais je trouve que c'est hyper important. On aurait tendance à désonder, enlever une sonde urinaire d'un patient qui est complètement anurique, parce qu'on a dit qu'il était anurique. Mais en vrai, le jour où il reprend une diurèse, on a quand même des traitements efficaces. Bah, c'est dommage de passer à côté, ou de laisser voilà, une machine de dialyse qui tourne bien, parce que maintenant, elle tourne quand même plutôt efficacement, longtemps, avec beaucoup moins d'alarme. Donc, c'est vrai que du coup, je trouve que voilà, l'ensemble de l'équipe doit être voilà, sensible à ces signes et à décider chaque jour à se poser la question, comme chaque jour on se pose la question de l'intubation d'un patient, de sa sédation, de son réveil et tout. Et ben, chaque jour on se pose la question de l'état de son rein et est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il mérite autant de traitements? Est-ce qu'il mérite autant d'épuration que la veille, quoi? Oui, alors c'est important parce que c'est effectivement c'est très important que les infirmières qui sont vraiment auprès du patient soient sensibles à tout ça parce que c'est elles qui vont alerter le patient, le médecin. Ah, il a repris une diurèse alors que ça faisait 5 jours que j'avais rien dans la sonde urinaire. Tiens, j'ai un peu d'urine, etc. Mais le prélèvement est un peu haut. Enfin, plus il y a de personnes en réanimation qui sont bien au courant des choses et qui peuvent alerter. Parce que tout le monde peut passer au travers des choses, voilà, parce qu'il n'a pas vu, il n'a pas fait attention, etc. Et donc, plus il y a de personnes qui sont alertées, qui peuvent alerter les médecins et autres, bah, mieux c'est, parce que effectivement, ça doit faire prendre conscience de ça. Tiens, le patient repisse, c'était pas arrivé depuis 5 jours, l'infirmière l'alerte parce que c'est un médecin qui vient, qui l'a pas suivi depuis 5 jours, etc. Voilà, ça c'est très important, je pense. Et effectivement, on désonde pas les malades qui sont anuriques en réanimation sous prétexte qu'ils sont anuriques. Parce que quand ils vont reprendre, on ne le verra peut-être pas. Il y a des histoires de globes sur des sondes bouchées, par exemple. Donc, si vraiment il n'y a rien qui sort, bah, il faut de temps en temps tester même la sonde urinaire pour être sûr. Si on ne comprend pas pourquoi il n'y a vraiment rien qui sort, enfin, des choses comme ça. Donc, non, désonder, ce n'est pas bien. Et même vérifier la sonde urinaire s'il n'y a rien qui sort pour être sûr que ce n'est pas bouché et qu'il n'y a pas un globe, ça, c'est des choses que moi j'ai vues, hein, qui sont arrivées en réanimation. Qui se retrouvent en globe alors qu'ils ont repris une diurèse et qu'ils ont une sonde urinaire bouchée et qu'on pense qu'ils sont anuriques parce que ça fait 4 jours que c'est comme ça. Donc voilà, donc ça c'est effectivement très important. D'accord, ben merci beaucoup Olivier pour cette réponse. J'avais également une autre question, alors qui concerne un petit peu les différences et les indications des différents modes d'épuration extrarénale. Et d'ailleurs, on se demande, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à faire du CVV HD
HD, alors qu'on voit essentiellement du CVVH tout court. Donc, Alors, oui, c'est une bonne question. C'est une bonne question parce que j'ai pas de réponse tranchée là-dessus. Parce qu'on n'a pas d'études qui montrent qu'un mode est meilleur qu'un autre. Actuellement, ce qu'on sait, c'est que le citrate fonctionne mieux que l'héparine. Voilà, ça on le sait. Qu'on fasse de l'hémofiltration, donc du CVVH, ou de l'hémodialyse continue, CVHD, avec le citrate, globalement, l'efficacité semble être à peu près la même. La durée de traitement semble être à peu près la même. Les petites spécificités, je dirais, c'est que l'hémofiltration permet potentiellement de mieux éliminer les molécules de taille moyenne. Encore faut-il que ça ait un intérêt. On a eu beaucoup d'études là-dessus. On n'a pas vraiment non plus découvert le Graal. Mais l'hémofiltration, de par sa structure, permet de mieux épurer les molécules de taille moyenne. L'hémodialyse, de par l'absence de fraction de filtration, c'est-à-dire de relation entre le débit sang et le volume qu'on retire, l'hémofiltration, que la dialyse n'a pas, était censée pouvoir permettre de durer plus longtemps parce qu'il n'y a pas ce frein de la fraction de filtration qui nécessite normalement des débits sang élevés. Alors nous, on a fait une étude avec Lionel Vély qu'on n'a pas encore publiée, mais qui montre qu'en fait, avec le citrate, on n'a pas ces problèmes de fraction de filtration. On peut monter facilement jusqu'à 35% ou 40% de fraction de filtration et on a la même durée de vie des filtres avec le citrate, donc ce n'est plus un frein. Et avec les nouvelles membranes d'hémodialyse qui ont des pores plus gros, ben, on arrive aussi à éliminer des moyennes molécules. Donc globalement, je dirais que on fait ce que le service sait mieux le faire, c'est le mieux faire, c'est-à-dire soit de l'hémofiltration, soit de l'hémodialyse continue. Voilà. Ce qui est important, c'est le continu et l'intermittent. Il semble quand même toujours préférable de privilégier le continu pour des patients qui sont instables hémodynamiquement et réserver l'intermittent pour le sevrage, la mobilisation du patient une fois qu'on est sorti de la phase aiguë et de l'instabilité hémodynamique. Voilà, ça c'est clair. L'hémofiltration, l'hémodialyse, c'est vraiment dépendant des machines que l'on a et des connaissances du service au niveau des modes, parce que les inconvénients et les avantages de chaque technique ont tendance à force les techniques évoluent, à diminuer et à être finalement de plus en plus comparables. Et c'est le citrate qui, lui, est vraiment à privilégier dans l'anticoagulation. Donc voilà, le seul mode qui semble vraiment pas très intéressant, mais qui est utilisé de longue date dans d'autres pays, c'est la CVHDF, c'est-à-dire les modes diafiltration, et qui là, pour le coup, complexifie un peu le système et n'apporte pas véritablement d'intérêt. Je modulerai juste sur le fait que ce mode-là, avec le citrate, peut-être avoir un petit intérêt pour mieux gérer les troubles métaboliques potentiels liés au citrate, parce qu'on pourrait agir en même temps sur la dialysa et sur la réinjection et sur le débit sang, donc trois facteurs pour pouvoir gérer ces troubles métaboliques du citrate. Voilà, mais en dehors de ça, le CVVHDF, très honnêtement, a peu d'intérêt. Et pour les deux autres modes, je dirais c'est à peu près égal. Voilà. Merci beaucoup Olivier. Une toute dernière question avant de passer à la suite. On vient de recevoir celle-ci. Une échovésicale systématique quotidienne n'est-elle pas plus intéressante que de laisser une sonde urinaire sur un patient anurique? Pour rebondir. Oui, mais alors qui va faire à ces 25 patients de réanimation ou 20 patients de réanimation une échovésicale tous les jours pour voir Oui, alors c'est ça. Dans l'idéal, ce sera effectivement toujours mieux de faire une écho, mais ce n'est pas une fois par jour dans ce cas-là, c'est au moins deux fois par jour. Parce que entre le matin 8h et le lendemain matin 8h, il y a 24 heures. Si le malade se remet à pisser, par exemple, bah, il peut très bien faire un litre d'urine ou un litre 5 et on ne le voit pas si, il n'y a pas de sonde et qu'il ne peut pas faire pipi. Donc c'est compliqué. Donc ce serait au moins deux fois par jour. C'est sûr que c'est toujours mieux qu'un tuyau qui est une sonde vésicale et qui va favoriser l'infection urinaire parce qu'elle est en place et qu'elle n'a pas lieu d'être parce que le patient est anurique. Mais connaissant comment fonctionnent les réanimations,
Il faut quand même toujours choisir le plus petit dénominateur commun et celui qui permet d'éviter le plus de bêtises. Et donc, la sonde urinaire en place qui permet de, en continu, vérifier s'il n'y a pas de l'urine qui coule, me semble être quand même plus sécurisant qu'une hypothétique échographie qu'on devrait faire deux fois par jour aux patients qui sont oligo-anuriques. Voilà, parce que je pense que ça va passer au travers. Voilà. Mais dans l'idéal, oui, ce serait bien. Parfait, merci, merci Olivier. Du coup, on est obligé de clôturer cette première session de questions qui était pourtant bien lancée. On vous aurait écouté encore plein de minutes C'est parce qu'on gentil. avait plein de questions intéressantes hein, dans la pratique et de partager les différents avis de tout le monde dans les réas de France, c'est hyper sympa. Vous aurez Néanmoins, après on mon va ami Thomas continuer. Rimley qui vous aurez après mon ami Thomas Rimley qui pourra répondre à d'autres questions tout aussi bien que Exactement. moi. Donc, Exactement. Du coup, on accueille avec plaisir le professeur Thomas Rimley, qui nous fait l'amitié et l'honneur d'être en direct avec nous pour vous présenter son topo sur l'anticoagulation lors d'une session d'épuration extrarénale. Donc, on va vous laisser la parole, Thomas. Je rappelle à tout le monde que vous pouvez poser des questions, qu'on essaye de les diffuser au maximum sur le temps qui nous reste. Voilà. Donc, Thomas, c'est à vous. Je vous remercie beaucoup. merci beaucoup Mathilde. Je voudrais remercier le comité d'organisation de la partie infirmier, comité d'infirmiers de la SFAR pour cette invitation. C'est des sessions toujours très intéressantes. Je voudrais souligner le fait que l'épuration extrarénale, c'est vraiment un domaine où il y a une collaboration essentielle entre l'équipe médicale et l'équipe paramédicale dans l'administration de l'épuration extrarénale. Et donc, je suis très 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 heureux de participer avec vous et de discuter avec les paramédicaux de l'épuration extrarénale. D'ailleurs, on le fait beaucoup aussi dans notre propre service où on a un groupe dialyse où les infirmières sont très impliquées et on arrive justement à optimiser l'administration de l'épuration extrarénale comme ça. Avec l'équipe tout entière. Donc là, pendant une demi-heure, je vais parler d'anticoagulation en épuration extrarénale. Voici mes conflits d'intérêts. Donc bon, ben voilà, je travaille avec les différents laboratoires, les industriels qui sont dans le domaine de l'épuration extrarénale en réanimation. Et pour ceux que ça intéresse justement, donc comme je m'intéresse beaucoup justement à cette collaboration médecin et infirmier. Je suis responsable d'un DU de réanimation pour les infirmiers à Lyon. Et d'ailleurs, il y a des infirmières d'un peu partout en France qui s'inscrivent et qui on discute beaucoup justement d'épuration extrarénale. Donc là, je vous ai mis les coordonnées du secrétariat pour ceux que ça intéresse. On a déjà des gens qui sont déjà inscrits pour l'année 2022-2023. Encore une fois, si vous souhaitez vous perfectionner sur l'épuration extrarénale en réanimation et sur les autres domaines et déférences d'organes, bien entendu. J'ai coutume donc de commencer un peu mes topos sur le rappel sur comment obtenir en 2022 une épuration extrarénale qui soit vraiment stable, continue, et j'insiste sur le mot vraiment continue parce que ce n'est pas le tout de dire qu'on fait de l'épuration extrarénale continue avec donc. Une machine de continu, une membrane utilisée en continu. Si toutes les 8 heures, vous avez des problèmes et que vous êtes obligé d'arrêter votre session. Hein, donc l'idée là, c'est d'essayer de voir comment obtenir une épuration vraiment continue, stable, qui soit prévisible. Alors voilà les 5 ingrédients qui, de mon point de vue, sont indispensables pour y arriver. Donc il faut justement avoir des bons docteurs qui connaissent bien les recommandations, des bonnes infirmières qui maîtrisent parfaitement l'administration de l'épuration extrarénale et que ces deux professions travaillent bien ensemble justement avec un travail d'équipe qui est indispensable comme je l'ai dit comme je viens de le dire. Et on applique les protocoles de service, hein, les sessions d'épuration extrarénale doivent être protocolisées et doivent s'inspirer des guidelines nationaux et internationaux.
Il faut du bon matériel, un bon moniteur d'épuration centrale continue, des circuits biocompatibles. Ça, c'est vraiment pas un problème aujourd'hui. Quel que soit l'industriel avec lequel vous travaillez, le matériel fourni est de bonne qualité, il n'y a pas de souci. Et puis, donc, il faut bien entendu une bonne gestion de l'anticoagulation, et c'est l'objet du topo aujourd'hui. Il faut bien connaître, savoir ce qui se passe au niveau du filtre. Et ça, pour ça, il faut aller regarder. J'aurais pas l'occasion d'y revenir, donc je le dis maintenant, mais il faut aller regarder les pressions de manière très régulière, que ce soit encore une fois, les médecins ou les infirmières, surveiller les pressions, en particulier la pression transmembranaire ou bien la perte de charge, la pression pré-filtre. Regardez ce qui se passe au niveau de votre circuit pour anticiper les problèmes qui peuvent survenir, les coagulations précoces. Le phénomène de colmatage de la membrane. Ça me paraît indispensable aussi de bien, quand vous voulez être des experts sur l'épuration dans votre service, il faut absolument faire cela, c'est le point numéro 4. Et puis bien manager son cathéter d'épuration extrarénale. Mais là, on va se focaliser pendant les 20-25 minutes qui nous restent sur la gestion de l'anticoagulation. Alors, premier point en introduction, je viens de le dire, une bonne gestion de l'anticoagulation permet, hein, c'est évident que si vous maîtrisez bien l'anticoagulation de votre session, vous allez pouvoir avoir une épuration extrarénale stable et continue, et vraiment continue. Encore une fois, ce n'est pas le tout de dire je fais du citrate et de l'épuration extrarénale continue. Si vous ne managez pas bien correctement tout cela et que le système plante régulièrement et que vous êtes obligé de remonter des machines et des circuits, dans ce cas, ce n'est pas vraiment continu. Pourquoi est-ce qu'il faut absolument avoir une épuration qui soit vraiment stable et continue? Tout simplement parce qu'on souhaite, et ça, je suis content de le dire encore une fois aujourd'hui, c'est de bien comprendre que la dose d'épuration, parfois appelée dose de dialyse, mais on va dire dose d'épuration, la dose d'épuration administrée, qu'elle soit la plus proche possible de la dose de dialyse prescrite. Je ne sais pas si tout le monde a bien ça en tête, mais quand un médecin prescrit 16 grammes d'un antibiotique, la tazocine, globalement, dans la quasi-totalité des cas, il y a 16 grammes qui sont réellement administrés. Quand on prescrit une dose d'épuration, on sait que la totalité de la dose ne va pas pouvoir être administrée. Ça, c'est évident parce qu'il y a des interruptions qui sont faites tout au long du nictémère. Par exemple, quand vous changez les sacs sur les machines, les échanges sont interrompus. Quand vous faites les soins de nursing, il est recommandé d'interrompre les échanges, de se mettre en mode sécurité, en mode nursing, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que le débit sang qui tourne, mais les échanges sont interrompus. Donc là, on perd encore de la dose. Lorsque le patient part au bloc opératoire ou en réanimation ou au scanner, on a encore une fois de la dose qui est non administrée. Et puis quand vous avez un cathéter qui plante ou le circuit qui coagule, il faut qu'on rebranche, il y a du temps à chaque fois de perdu. Donc on comprend bien que la dose réellement administrée au patient ne va pas être égale à la dose prescrite. Donc on prescrit toujours plus, quand on fait nos prescriptions, il faut comprendre qu'on prescrit toujours plus que ce qu'on souhaite que soit administré. On anticipe cette différence qu'il y a entre la dose prescrite et la dose administrée. Donc on comprend bien aussi que si on maîtrise bien l'anticoagulation, on va avoir moins d'arrêts intempestifs non souhaités et que donc la dose de dialyse administrée va être plus proche de la dose de dialyse prescrite. Ça doit être votre objectif. Point numéro 2, pourquoi est-ce qu'on anticoagule les circuits de ER? Tout simplement parce que qu'est-ce que souhaitent les cellules du sang, donc les éléments figurés du sang, les trois lignées, hein, que ce soit les plaquettes, les globules blancs ou les globules rouges, elles sont contentes quand elles sont au contact de quoi? Elles sont contentes quand elles sont au contact de la cellule endothéliale. Dans le sang, dans les vaisseaux, ces cellules, les trois lignées sont au contact de la cellule endothéliale et donc dans ce cas, il n'y a pas de souci. Par contre, quand on met au contact les trois lignées cellulaires, donc ces éléments figurés du sang, au contact de plastique, ils sont très biocompatibles, ces matériaux exogènes, là, ces tuyaux, ces circuits. Ils sont bien biocompatibles, ils ont été travaillés, mais quand même, il y a une activation des deux voies, à bien comprendre, les voies de l'inflammation et les voies de la coagulation. Donc, à partir du moment où des cellules ne sont pas au contact de l'endothélium, il y a l'activation de ces cellules, des trois lignées, qui va aboutir
à de l'inflammation et à de la coagulation. Et c'est pour ça qu'on anticoagule nos circuits. Deux types d'anticoagulation, vous le savez, principaux. L'anticoagulation régionale au citrate, on anticoagule que le circuit. L'héparinothérapie, on anticoagule le circuit et le patient en même temps. C'est la principale différence. C'est la raison pour laquelle, quand on parle d'anticoagulation au citrate, on rajoute le mot régional. On anticoagule que le circuit. Le patient n'est pas du tout anticoagulé. D'ailleurs, ça nous permet de faire, par exemple, nous on le fait assez souvent maintenant, de l'épuration extrarénale au bloc opératoire pendant les interventions sur les malades très graves. Alors les chirurgiens, quand on a commencé à mettre les machines, vous imaginez bien au bloc opératoire, ils ont tout de suite dit, mais attendez, normalement, on a comme notion qu'on anticoagule, on ne veut pas qu'il y ait d'anticoagulant, ça fait saigner, etc. On leur a expliqué, non, non. Là, on fait que l'anticoagulation du circuit. Le patient ne reçoit pas une goutte d'anticoagulant. C'est la principale caractéristique du citrate. On anticoagule que le circuit. L'héparinothérapie, c'est ce qu'on appelle une anticoagulation systémique. Vous anticoagulez le circuit, certes, mais aussi le patient, d'où les possibles complications hémorragiques. Point numéro 4, très important. Hein, donc là, vous voyez que c'est justement des situations où on n'a pas envie de faire de l'héparine. Hein, un patient qui a un AVC hémorragique, un patient qui est au bloc opératoire, justement, je viens de le dire, ou un patient qui a une thrombopénie induite à l'héparine connue. Donc, je ne peux pas faire d'héparine dans ces contextes, donc je fais du citrate. Oui, mais en fait, en 2022, ce n'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Aujourd'hui, le citrate en 2022, ça fait même 10 ans que c'est comme ça, sur les recommandations internationales, on doit faire du citrate en première intention chez tous les patients. Et quand on ne peut pas faire de citrate, pour certaines raisons qu'on va voir, on fait de l'héparine. Vous voyez, ça s'est inversé au cours des 10 dernières années. Avant, donc, les gens faisaient de l'héparine, et puis bon, bah, quand on était ennuyé, avec les images que vous voyez là, bah, on faisait du citrate. Mais ça s'est imposé maintenant, le citrate en première intention. Aujourd'hui, en 2022, le citrate s'est recommandé comme étant la première ligne d'anticoagulation chez tous les patients, que ce soit les patients à risque hémorragique ou les patients qui ne sont pas à risque hémorragique. Alors voilà, donc on va parler maintenant, donc, pour la majorité du topo de l'anticoagulation régionale citrate. Donc, comment ça fonctionne? Le citrate, il vient chélater le calcium. Le calcium, vous voyez, donc, c'est un cofacteur de toutes les réactions enzymatiques de la coagulation plasmatique. Donc, si vous n'avez plus de calcium qui vient être le cofacteur de ces réactions, vous n'avez plus de coagulation possible. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, vous voyez, ça chélate, vous avez la molécule de citrate qui vient se fixer sur, enfin, plutôt l'ion calcium, qui a un ion divalent, vient se fixer sur les deux radicaux carboxylates qui sont au niveau de la molécule de citrate. Et vous notez d'ailleurs qu'il y a un troisième radical carboxylate, là, sur la gauche de la diapositive. Celui-là reste libre, et c'est celui-là qui donne une certaine acidité aux complexes calcium citrate qui sont formés. Les complexes calcium citrate qui sont formés, lorsqu'ils s'accumulent, on voit qu'ils ont tendance à donner une acidose métabolique de par ce petit radical carboxylate qui reste libre. Alors le citrate, c'est pas comme l'héparine. L'héparine, si vous mettez un petit peu d'anticoagulation à l'héparine, ça anticoagule un petit peu. Si vous mettez beaucoup d'héparine, ça anticoagule beaucoup. Le citrate, c'est pas comme ça que ça marche. Si vous mettez un petit peu de citrate, il n'y a pas d'anticoagulation du tout. Hein, pour le citrate, c'est ce qu'on appelle un effet on-off. C'est-à-dire, soit vous faites du citrate et vous le faites vraiment, soit vous ne faites pas de citrate. Le citrate, vous voulez, quand vous en faire, vous voulez avoir un calciumisé dans le circuit qui soit à 0,3 mmol par litre. Il n'y a rien de pire. Le message, hein, c'est de dire, oh, j'ai un petit peu peur de faire du citrate chez ce patient, je vais en faire un tout petit peu, et puis comme ça, je vais éviter les complications. Non. Si vous faites ça, vous n'aurez pas d'effet, vous n'aurez pas d'anticoagulation du patient, et en plus, vous allez vous exposer aux complications métaboliques du citrate. Donc le message, c'est qu'il n'y a pas de demi-mesure avec le citrate. Soit on en fait, et on le fait vraiment, soit on n'en fait pas. Le citrate, vous souhaitez donc avoir une diminution de votre calciumisé dans le circuit de l'ordre de 0,3 mmol par litre. Ça vous permet d'empêcher la coagulation plasmatique dans le circuit, ce qui correspond à peu près à une concentration en citrate de 4 mmol par litre de sang. On ne dose pas le citrate, sauf dans des protocoles de recherche. C'est un peu compliqué en 2022 de doser le citrate. Peut-être qu'à l'avenir, on le fera demain en routine, mais pour l'instant, ce n'est pas possible. Donc, on dose de manière indirecte. On évalue de manière indirecte cette concentration en citrate avec la concentration en calciumisé dans le circuit. On cherche à avoir
une concentration de l'ordre de 0,3 millimol par litre. Très important, les complexes d'acide citrate qui sont formés, ils sont éliminés dans le dialyse. On le voit ici, hein, là on est en mode hémodialyse continue, vous avez le sang qui circule comme ça, je ne sais pas si on voit bien ma flèche, mais, et donc vous avez le citrate qui est administré en début de circuit, les complications de citrate sont formées ici et sont épurées dans le dialysat. Une partie d'entre eux sont épurées, 50% d'entre eux sont épurés globalement, et les 50% autres repartent dans la circulation pour ensuite être métabolisés. Donc on perd du calcium ici, de deux façons, par les complications de citrate et aussi par le 0,3 mmol par litre de calcium ionisé qui circule ici. Il n'y a pas de calcium dans le dialysat, donc on en perd également ici. Donc vu qu'on perd du calcium ici, il est très important d'en remettre en fin de circuit. Le calcium qu'on met en fin de circuit ici est uniquement lié à remplacer le calcium qu'on a perdu dans le dialysat. Voilà. Ça, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris ça, donc j'insiste. Le calcium qui est perdu dans le dialysat est remplacé par le calcium qu'on met ici. Et les complications de citrate qui sont reparties ici se faire métaboliser, par exemple dans le foie, on récupère du calcium des complications de citrate ici. Mais le calcium qu'on met ici, c'est vraiment le calcium qu'on a perdu dans le dialysat. Très important également, parce que ça aussi, ça on le voit beaucoup, le citrate, c'est une implication régionale. Donc, il est administré en début de circuit et en fin de circuit, on a le calcium qui est la ligne de retour qui est administrée. Donc là, pendant le circuit, on a bien un circuit anticoagulé, mais on voit que, est-ce que le cathéter de dialyse ici est anticoagulé? Ben non, il ne l'est pas. Et alors ça, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que parfois, lorsque vous avez des équipes qui démarrent le citrate, et que je leur pose la question, est-ce que vous êtes content? Alors la quasi-totalité me dit, ah ouais, c'est super, ça marche super bien. Mais il y a certaines équipes qui me disent, ah ben non, nous on n'est pas super super contents, on croyait que c'était miraculeux le citrate, et puis finalement on a des problèmes de coagulation. Et bien toutes ces équipes-là, à chaque fois ça marche à tous les coups, c'est des problèmes de cathéter de dialyse. Le cathéter de dialyse n'étant pas anticoagulé avec le citrate, vous démasquez vos insuffisances dans vos pratiques sur les cathéters. C'est-à-dire que si vous avez dans vos unités des mauvais cathéters, lorsque vous passez au citrate, vous avez des problèmes. L'héparine, avant, avec vos mauvais cathéters, ben, ça permettait plus ou moins de passer le cap. Mais là, quand vous passez au citrate, on comprend bien qu'on démasque les insuffisances liées au cathéter de dialyse. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on fait du citrate, on a besoin d'un bon cathéter de dialyse. Ça marche ensemble. Donc, le citrate, c'est le plus grand progrès dans le domaine de la perfusion extra-rénale au cours des 20 dernières années. C'est indiscutable. Il est de plus en plus utilisé dans le monde. Très clairement, la France était un petit peu en retard. On est en train de rattraper notre retard par rapport aux autres pays, mais il y a des pays, ça fait déjà de plusieurs années que 80 à 90% des sessions d'épuration extra-rénale continue sont faites au citrate. Nous, il y a encore quelques années, 4-5 ans, on était à 40% des sessions d'épuration extra-rénale continue au citrate. En 2022, on a progressé. Je vais vous montrer les données parce qu'on a fait une enquête. Mais en 2022, de mon point de vue, tout le monde doit être capable de maîtriser l'antiquation régionale à citrate. Alors justement, l'enquête dont je vous ai parlé, donc on a envoyé toutes les réanimations de France grâce à la SFAR d'une enquête sur les pratiques d'anticoagulation. Je vous montre juste une ou deux diapos, mais globalement aujourd'hui, on est à 80% d'utilisation, que le patient soit à risque hémorragique ou à faible risque hémorragique ou haut risque hémorragique, pas de différence. Globalement, 80% des sessions aujourd'hui sont faites au citrate. On a beaucoup progressé justement au cours des 3-4 dernières années. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle de mon point de vue. Et l'autre élément important, lorsqu'on interroge les acteurs de ces réanimations, quel est le principal frein à l'utilisation? Parce qu'il y a encore des gens qui ne sont pas passés au citrate. Hein, eh bien, c'est l'absence de formation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait justement ces formations grâce à vous, à la SFAR, et dans d'autres circonstances. Hein, les industriels proposent aussi des symposiums de formation. Et c'est très important d'organiser ces formations, même au sein de chacun de vos services. Les groupes de dialyse sont responsables de l'établissement de sessions de formation au sein de chacun de vos unités, sur vos protocoles personnels de soins.
Et vous voyez que vraiment, la formation, c'est une demande de la part des professionnels, que ce soit des professionnels médicaux ou paramédicaux d'ailleurs. Alors le citrate, il y a un truc qui est bien avec le citrate, si vous voulez, c'est qu'en réa, vous avez l'habitude d'entendre qu'il y a des controverses, que les gens ne sont pas d'accord, que les experts ne sont pas d'accord, que les études sont controversées. Un coup, vous avez blanc, un coup, vous dites noir, un coup, on va en marche avant, on marche avant, on marche arrière. Avec le citrate, ce n'est pas le cas. Toutes les études, quelles qu'elles soient, les petites, les grandes, les françaises, les étrangères, les anciennes, les récentes, et les multicentriques, même maintenant, ont toutes montré la même chose. Avec le citrate, on a une augmentation d'un facteur 2 à 3 de la durée de vie des hémofiltres. Donc ça, c'est très très important à bien l'intégrer. Personne ne peut vous dire aujourd'hui que le citrate n'augmente pas la durée de vie de vos circuits. C'est archi démontré. Et là, pour le coup, en réanimation, pour une fois, tout le monde est d'accord, le citrate double, voire triple, vos durées de vie de vos circuits. Ça, c'est indiscutable. Personne ne peut dire le contraire au vu de la littérature. Pourquoi? Bah, cette diapo se passe de commentaires, vous serez d'accord? Avec l'héparine, votre fibre capillaire s'encrasse au cours de votre session d'épuration et ça continue. On a des résidus de fibrine et de plaquettes, vous voyez, qui sont là et qui viennent boucher progressivement et faire de la coagulation progressivement de votre fibre capillaire et également du colmatage. Avec le citrate, vous voyez que la fibre capillaire reste parfaitement perméable. Autre avantage, vous voyez qu'on a une diminution, là c'est une étude qui montre une diminution des complications hémorragiques avec le citrate. C'est un peu évident qu'avec le citrate, il y a moins de complications hémorragiques qu'avec l'héparine. Encore fallait-il le démontrer scientifiquement et ça a été démontré par plusieurs études. Il n'y a pas non plus de doute là-dessus. Il y a plus de complications hémorragiques avec l'héparine qu'avec le citrate. Donc vous voyez, avec le citrate, moins de complications hémorragiques, plus longue durée de vie des hémofiltres. Moins d'arrêts inopinés. Donc, encore une fois, je reviens à ce que je disais avec mon introduction. La dose de dialyse administrée est optimisée. Donc, tout le monde est content. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça fait 10 ans que c'est recommandé en première intention chez tous les patients, à risque hémorragique ou pas à risque hémorragique. Et que finalement, on y arrive en France. On est à 80% d'utilisation du citrate. Et c'est très bien comme ça. Alors, c'est en l'absence de contre-indication. Et le problème, c'est que les recommandations internationales KDIGO, il y a 10 ans, eh ben, c'était pas très clair c'est quoi une contre-indication au citrate. Eh ben, c'est toujours pas clair 10 ans plus tard, parce que les contre-indications, en fait, elles sont relatives. Les contre-indications dans certains centres experts ne sont pas les mêmes que dans un centre qui débute, en fait. Vous voyez? Donc, il faut dire que les contre-indications sont relatives. Si vous êtes un centre expert, vous maîtrisez bien le citrate, vous allez pouvoir pousser un peu vos indications par rapport à des équipes débutantes. On a coutume de dire oui, l'insuffisance hépatique, c'est une contre-indication. Mais c'est quoi l'insuffisance hépatique? Quel niveau de facteur 5 vous prenez? De TP que vous prenez? De bilirubine, de transa? En fait, il n'y a pas de données là-dessus. Ça n'existe pas. Donc, on essaie de savoir. De prendre, par exemple, nous, c'est ce qu'on prend, le TP ou le facteur 5, pour quand ils sont vraiment effondrés, on considère qu'il y a une insuffisance hépatique, et là, il faut faire attention. Ça ne veut pas dire qu'il faut totalement exclure l'utilisation du citrate, parce que si on le fait d'ailleurs, qu'est-ce qu'on va faire à la place? Souvent, ces patients-là, ils sont de toute façon choqués, à risque hémorragique majeur, et de faire de l'héparine, ça paraît aussi très dangereux chez ces patients-là. Donc, vous voyez, il y a vraiment un manque aujourd'hui sur. Qu'est-ce qu'une contre-indication au citrate? Et je pense que c'est à discuter au cas par cas. Et l'expérience de votre équipe joue un rôle majeur dans ces contre-indications ou non en fonction du patient. Donc le métabolisme du citrate, c'est surtout au niveau du foie, mais pas que. 70% au niveau du foie, 30% au niveau du muscle et du rein. Ce qui est important de savoir, c'est que ça se fait au niveau de la mitochondrie et au niveau du cycle de Krebs. En fait, c'est le cycle de Krebs qui vous dit si le métabolisme peut se faire ou pas. Donc on voit bien que quand on a un lactate très élevé, ça peut vouloir dire que le cycle de Krebs ne fonctionne pas bien. Ça peut être là où qu'il faut faire très attention avec le citrate. D'ailleurs, je vous rappelle que dans certains pays du monde, le cycle de Krebs s'appelle le cycle du citrate. Hein. Je ne sais plus si c'est en Angleterre ou aux États-Unis, mais on appelle ça le citrate cycle, le cycle du citrate. Donc quand le cycle du Krebs ne fonctionne pas, votre métabolisme du citrate ne va pas bien fonctionner.
Donc, avec l'héparine, on avait des complications hémorragiques. Avec le citrate, on a des complications métaboliques. D'accord? Donc, des troubles acide-base, soit une alkalose métabolique, soit une acidose métabolique, on va y revenir, soit une hypernatrémie, parce que lorsqu'on utilise du citrate trisodique, on apporte beaucoup de sodium, soit une hypocalcémie ou une hypercalcémie, puisque vous voyez qu'en fin de circuit, on réadministre du calcium, donc on peut en administrer trop ou pas assez. Donc, il faut faire attention. Voilà, avec le citrate, il faut faire attention aux complications métaboliques. En pratique, comment on fait? Ça, c'est une question, j'invite à réfléchir, mais je vais vous donner la réponse parce qu'on n'a pas trop le temps. Mais avant tout branchement, qu'est-ce que je dois faire quand on fait du citrate? Je dois contrôler quoi? La calciémie ionisée du patient. C'est la bonne réponse, tout simplement parce que ces fameuses ABAC, quand on adapte les débits de calcium et de citrate, eh bien, il faut, ça a été calculé, ces ABAC, ça a été fait, ces tableaux d'adaptation, avec une calcémie ionisée normale au départ. C'est pour ça qu'on doit la corriger. Il ne faut pas oublier de faire ça avant vos branchements. C'est oublié dans beaucoup de cas. Hein. Souvent, dans les équipes, c'est oublié. Donc, c'est oublié. Donc, avant de brancher, on vérifie qu'on part avec une calcémie ionisée normale. Souvent, elle est abaissée. Chez beaucoup de patients de réa, on a une calcémie ionisée de départ qui est basse. Il faut la corriger avant de brancher. Donc, comment on fait? On part de la dose de dialyse. On a dit qu'on voulait 20 à 25 ml par kilo et par heure de dose de dialyse. Donc, c'est votre débit de dialysat ou votre débit d'ultrafiltration si vous êtes en CVVH. Et vous prescrivez plus pour pouvoir prendre en compte ces arrêts de séance. Donc, vous prescrivez 30, si votre équipe est très réactive, où il y a peu d'arrêts, jusqu'à 35 ml par kilo et par heure de débit de dialysat. Vous en déduisez votre débit sang, qui est 3 fois supérieur au débit de dialysat en hémodialyse continue. Et puis après, vous mettez votre concentration cible en citrate et votre concentration cible en calcium, et puis votre perte de poids. Donc voilà ce que ça donne dans les protocoles d'hémodialyse continue. Hein. Ça veut dire que un débit sang 3 fois supérieur au débit de dialysat. Attention, les unités ne sont pas les mêmes. Hein. Soyez très vigilants sur les unités en épuration suprarénale. C'est comme ça qu'on aboutit à des catastrophes parfois. Le débit sang, c'est en millilitres par minute, le débit dialysat en millilitres par heure. Donc, si on homogénéise les unités, là, vous voyez que si je prends 100 ml minute, ça veut dire que mon débit sang est 3 fois supérieur à mon débit dialysat. Et puis après, je vais adapter mon débit sang et mon débit dialysat selon mes troubles acide-base, selon ma surveillance que je vais faire régulièrement pendant ma session, toutes les 6 heures, toutes les 8 heures, toutes les 4 heures, selon vos protocoles et selon la gravité du patient. Donc, ce qui est très important de savoir, c'est qu'aujourd'hui, on fait du citrate de manière safe, de manière sécurisée, grâce à l'asservissement des pompes. Très important, la pompe à citrate est asservie à la pompe à sang, la pompe à calcium est asservie à la pompe à dialysat. Donc, ça veut dire que quand vous augmentez votre débit sang, eh bien, automatiquement, mon débit de citrate est, vous voyez ici, là, celui qui est noté ici, le débit de citrate est augmenté automatiquement par la machine. Ça fait longtemps qu'on sait que le citrate est un très bon anticoagulant. Depuis 30, 40, 50, on sait très bien. D'ailleurs, on l'utilise, je rappelle, on l'utilisait, on l'utilise encore un petit peu, mais dans les produits sanguins labiles, on met du citrate pour ses vertus anticoagulantes. On sait que c'est un très bon anticoagulant. Mais on pouvait ne pas, on ne faisait pas de citrate dans les circuits d'épuration extrarénale auparavant parce qu'on n'était pas capable, enfin, les industriels n'étaient pas capables d'avoir un asservissement des pompes. Aujourd'hui, c'est possible. Et donc, cet asservissement des pompes, vous le savez, c'est ce qui apporte la sécurité en épuration, avec le citrate en épuration extrarénale. Encore une fois, votre pompe à sang est asservie à la pompe à citrate. Donc, la pompe à citrate est asservie à la pompe à sang. Et la pompe à calcium est asservie à la pompe à dialyse. Et donc, vous avez ces tableaux-là qui vous permettent. Donc, quand vous surveillez, vous avez votre calciumisé du circuit. S'il est, vous voyez, par exemple, trop haut, si je suis à 0,45 millimoles par litre de calciumisé dans le circuit, eh bien, ça me dit que je dois augmenter mon administration de citrate et c'est ce que je fais sur ma machine. Pareil pour, je dose mon calciumisé du patient. S'il est trop bas, par exemple, si je suis à 1 millimole par litre, hein, il est vraiment trop bas, je dois augmenter mon retour de calcium pour pouvoir corriger cette calcémie ionisée du patient. Donc, on dose le calcium ionisé dans le circuit et dans le patient pour vérifier que tout va bien sur vos administrations. La complication qui est en redoutée, je vous rappelle, bah c'est l'accumulation des complications de citrate. Hein. C'est ça qui est très important. Et elle se voit sur justement cette surveillance, une hypocalcémie ionisée réfractaire,
On a toujours besoin, c'est ces patients chez qui on a toujours besoin d'augmenter la supplémentation calcique. Ça, c'est vraiment un signe d'accumulation des complexes calcium citrate. Le rapport calcium total sur calcium ionisé qui augmente, on a coutume de dire qu'il est supérieur à 2,3 ou supérieur à 2,5, mais en fait, quand il augmente ce rapport, même quand il passe de 1,9 à 2,3, c'est qu'on a vraiment une accumulation des complexes calcium citrate. Et ça donne une acidose métabolique à troponine augmentée. C'est aussi comme ça que les médecins font les diagnostics d'accumulation. Vous voyez que ça s'accumule, c'est comme ça. On voit très bien que le rapport calcium total, dans le rapport calcium total, on mesure le calcium des complexes calcium citrate, des calcium myoprotéines et le calcium ionisé. Sur le calcium, donc calcium total sur calcium ionisé qui augmente, on voit bien qu'on a l'accumulation de ces complexes calcium citrate. Donc les complications qu'on peut avoir, si je résume, c'est lorsque vous avez une alcalose métabolique. C'est pas grave, c'est justement là le métabolisme se fait bien. C'est souvent lié parce qu'on utilise du citrate trisodique. Le citrate trisodique augmente ce qu'on appelle la différence des ions forts, mais peu importe, ça va alcaliser le plasma. Donc une alcalose métabolique chez vos patients qui sont sous citrate, c'est souvent pas grave. Et par contre, l'acidose métabolique, ça peut être lié à une accumulation des complexes calcium citrate. Et là, il faut faire attention parce que le patient peut faire quoi comme problème? Il peut décéder d'une hypocalcémie ionisée majeure réfractaire inférieure à, par exemple, vous voyez, 0,95 millimoles par litre de calcium ionisé chez votre patient. Et c'est là qu'il faut faire attention. OK? Donc, encore une fois, l'alcalose métabolique, il n'y a pas de souci. C'est votre métabolisme se fait bien. C'est un surdosage en citrate, en sodium, on peut corriger facilement. L'accumulation des complications de citrate, c'est là où il faut faire super attention. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut apporter moins de citrate. Comment on fait? Dans les deux cas, hein, c'est la même action. On baisse le débit sang ou on augmente le débit dialysat. En augmentant le débit dialysat, vous augmentez l'épuration des complexes calcium citrate. Donc, est-ce qu'on peut prédire l'accumulation? Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le lactate. Le lactate qui est un reflet du fonctionnement du cycle de Krebs, eh bien c'est l'évolution du lactate dans cette étude qui montrait que les patients qui ont un lactate qui augmente ou qui ne baisse pas, en noir là, sont les patients qui vont accumuler. Pourquoi? C'est assez logique, hein. Si votre lactate ne baisse pas, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous ne contrôlez pas votre sepsis, vous ne contrôlez pas la situation. Et donc le cycle de Krebs ne fonctionne pas. C'est là où les patients sont très à risque d'accumulation. Quand un lactate baisse ou qu'il y a un lactate qui est assez bas, il n'y a pas de souci, ça ne va pas accumuler. L'accumulation des complexes calcium citrate est rare, très rare, c'est inférieur à 5% quand on maîtrise bien la situation et même inférieur à 1%, très très rare dans les équipes très entraînées sur le citrate. Donc le citrate, c'est possible même de faire chez beaucoup de patients, beaucoup plus lorsque vous avez, quand vous êtes entraîné. Si je travaille des débits sang assez faibles, ben, je vais apporter peu de citrate puisque la pompe est asservie. Donc l'intérêt de travailler des pompes, un débit sang faible, je vais apporter peu de citrate. Si vous augmentez votre débit de dialysat, vous augmentez votre épuration des complications de citrate, donc ça a un intérêt. Hein, si vous les épurez davantage, ils vont aller moins se faire métaboliser. Et puis donc il faut surveiller ce fameux rapport, le rapport calcium total sur calcium ionisé. Donc bien faire attention quand on a une hyperlactatémie non contrôlée. Et si j'ai un surdosage ou une accumulation, je baisse mon débit sang, ça réduit les apports, ou j'augmente mon débit de dialysat. Comme ça, vous voyez les médecins s'en sortir en augmentant le débit de dialysat, puisque l'augmentation du débit de dialysat permet d'épurer les complexes calcium citrate. Si j'ai une accumulation qui est non contrôlable, et seulement dans cette situation-là, j'arrête le citrate, mais pas le ER. Je continue de faire de l'épuration extrarénale pour continuer d'épurer les complexes calcium citrate via mon épuration extrarénale. Et là, mais c'est super important de bien comprendre un truc. Lorsque vous continuez, vous arrêtez le citrate, mais vous continuez l'épuration extrarénale, il faut surtout changer votre dialysat. Votre dialysat ici est un dialysat sans calcium. Donc nous, ça nous est arrivé malheureusement d'avoir un patient qui est décédé parce que le dialysat n'avait pas été changé. Et on a continué à dialyser le patient avec un dialysat sans calcium. Le patient a décédé d'une hypocalcémie ionisée systémique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il était super grave de toute façon, mais quand même, c'est de la iatrogénie pure de faire ça. Donc quand vous continuez de faire du citrate, quand vous arrêtez le citrate, mais que vous continuez l'épuration, attention à bien changer le liquide de dialysat. Le liquide de dialysat qu'on fait en citrate, c'est un soluté qui est pour le citrate et pas quand on arrête le citrate.
Donc bien entraîner vos équipes, que ce soit la for... je reviens sur la formation, les médecins, les infirmiers, et ne pas oublier les médecins de garde. Les pauvres, des fois, ils débarquent dans les services, ils n'ont pas l'habitude, ils ont des protocoles de citrate, ils doivent se débrouiller la nuit à 2 h du matin. Il faut les former, les inclure dans vos protocoles de service. Là, je parle pour les infirmières, justement, qui font partie des groupes de dialyse, des services, et qu'il faut bien pas oublier les médecins de garde. Les parinothérapies, j'en dis juste un petit mot, parce qu'il ne nous reste que 5 minutes. Mais globalement, rappelez-vous qu'il y a, ça coagule le circuit dans, à certains endroits, ça coagule dans la fibre capillaire. Ça coagule où le circuit? Vous le savez très bien, vous avez encore plus l'habitude que nous, et vous le voyez à chaque fois qu'il y a un contact sang air, et notamment au niveau du piège à bulles, où on a beaucoup de caillots qui se forment. Dans les zones de turbulence, hein, les zones de turbulence, c'est là où on a des virages, ou quand des lignes plicaturées. Quand il y a de la turbulence dans un circuit, c'est là où ça coagule. Et ça coagule quand le sang circule moins vite au niveau des pièges à bulles, où on a une augmentation du diamètre. Qui dit augmentation du diamètre dit circulation moins rapide, évidemment, à cet endroit-là, et donc une coagulation plasmatique qui se fait à cet endroit-là. Donc, les facteurs qui favorisent la thrombose, donc c'est les cathéters, par exemple, pour avoir des bons cathéters, des cathéters multiperforés, là, je ne sais pas si certains d'entre vous ont ça, mais attention, ce n'est pas du tout recommandé, ces cathéters multiperforés, hein. Beaucoup de turbulences au niveau de ces cathéters multiperforés, et donc des thromboses. Travailler avec des débits trop bas, eh bien, ça favorise la thrombose. Et donc, en CVH, il faut calculer la fraction de filtration pour éviter la coagulation et le colmatage. Voilà, je vais avancer. Il y a évidemment des facteurs liés à l'équipe. Vous avez des équipes. Il faut être très réactif aux alarmes. Et là, vous avez un rôle en tant qu'infirmier très important parce que quand ça sonne, quand un circuit sonne et s'arrête, quand on arrête la pompe à sang, toutes les secondes qui se passent pendant lesquelles le sang ne circule pas, et là c'est catastrophique, ça coagule à ces endroits-là, ça coagule. Donc il faut que le sang circule en permanence pour qu'il n'y ait pas de coagulation. Et donc ne vous amusez pas trop à justement à modifier les débits comme ça sans discuter avec les médecins, parce que lorsqu'on baisse les débits de manière importante, parfois on peut augmenter la fraction de filtration, et en héparine, c'est assez catastrophique lorsqu'on travaille des fractions de filtration trop élevées. Donc bien sûr, évidemment, quand on est sceptique, on a plus tendance à thromboser que quand on n'est pas sceptique. On a des maladies prothrombotiques, des thrombopénies induites à l'héparine. Il faut prendre tout ça en compte. L'héparine, juste un mot, eh ben, c'est un risque hémorragique, hein, donc par rapport au citrate. Donc c'était la technique initialement utilisée le plus souvent, mais ça ne l'est plus. C'est de la seconde intention aujourd'hui. L'héparine non fractionnée, elle est à faible coût. Et on monitore l'héparine avec le TCA ou l'activité anti-DISA, ou bien avec ce qu'on appelle l'ACT, les Mocrons au lit du patient. Et l'héparine, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est antagonisable facilement par la protamine. Je vous ai mis le protocole. Là, globalement, il faut viser un TCA cible à 1,5 fois le témoin. C'est ce qui est recommandé en France. Mais globalement, on a souvent, ceux qui font de l'héparine, souvent en font trop, hein. D'aller chercher les anticoagulations à 2 ou 3 fois le témoin en héparine, c'est beaucoup trop. Il n'y a pas besoin d'aller autant anticoaguler les patients quand on fait de l'héparine. Il n'y a pas entre héparine ou HBPM, pour ceux qui avaient se posé la question, il n'y a pas de différence, même durée de vie des filtres en réanimation. En conclusion, le citrate anticoagulant de première intention aujourd'hui en 2022, c'est une occasion régionale, c'est tout l'intérêt. On n'anticoagule pas le patient, c'est en progression constante. Aujourd'hui, c'est 80% des sessions. Les complications métaboliques sont très rares. Soyez rassurés de ce côté-là, beaucoup plus rare qu'on ne le pensait. Il faut bien savoir dépister la complication qui peut tuer votre patient, c'est l'accumulation des complications de citrate. En héparine, ça donne des complications hémorragiques. On peut faire de l'HNF ou des HBPM. On surveille avec le TCA ou l'activité anti-DISA. Et ça vient en seconde intention, en alternative au citrate. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci Thomas, c'était vraiment un topo super intéressant, vraiment clair. On a bien vu la proportion de plus en plus importante que prend l'épuration avec une anticoagulation régionale au citrate. Et je pense que ça peut vraiment intéresser les auditeurs d'avoir à la fin de ces présentations des réponses à leurs questions concernant ce mode d'anticoagulation-là. Merci beaucoup. On reviendra avec vous tout à l'heure justement pour cette session de questions-réponses. Là maintenant, je vais lancer le prochain topo. C'est celui de mon collègue Mathieu.
qui s'intitule L'épuration extrarénale au quotidien en réanimation, donc un topo cette fois vraiment pratico-pratique. Donc je lui laisse la parole et on se revoit tout à l'heure. Bonjour à tous, je m'appelle Mathieu Clergé-Gurneau, je suis infirmier en neuro-réanimation au CHU de Bordeaux et membre du comité IDE de réanimation de l'ASFAR. Je vais vous présenter aujourd'hui un topo sur la gestion au quotidien de l'épuration extrarénale en service de réanimation. Les illustrations présentes dans le topo concernent la machine PrismaFlex de Baxter, car ce sont celles que l'on utilise dans mon service. Je précise que je n'ai aucun conflit d'intérêt. Au cours de ce topo, plusieurs points seront abordés. Tout d'abord, nous parlerons de l'arrêt temporaire du traitement ou la recirculation. Puis nous verrons le régime de sécurité. Ensuite, nous verrons ensemble les modalités pour un changement de set. Nous aborderons également, en complément de ce qui a déjà été vu et dit dans les autres topos, les surveillances d'une session d'épuration extrarénale. Et enfin, nous reverrons quelques rappels utiles. L'arrêt temporaire du traitement ou la recirculation. Alors, quand et pourquoi recirculer? Le motif principal d'une recirculation temporaire est souvent la réalisation d'une imagerie chez le patient. Plus globalement, cela va être pour tout soin ou intervention qui nécessite un transport du patient hors de la réanimation. La recirculation permet de conserver le set actuellement en fonctionnement sur la machine en le faisant tourner en système clos. Un set coûtant environ une centaine d'euros, cela représente une économie non négligeable. Attention! Cette option n'est valable que si l'examen a une durée maximum de 2 heures environ. Quelques préalables à la mise en place d'une recirculation. Alors, il faut d'abord s'assurer que la perte de charge et la pression transmembranaire sont à des niveaux acceptables. Sachant qu'il est parfois déconseillé de tenter une recirculation avec un set qui a dépassé 48 heures d'utilisation. Il est ensuite capital d'anticiper le départ. La mise en place d'une recirculation peut parfois demander du temps, surtout si vous rencontrez des difficultés lors de la manœuvre. Il convient donc d'éviter de le faire au dernier moment. Enfin, lors du branchement et rebranchement, il faut absolument tester ses cathéters. Je vous rappelle très brièvement la manœuvre. D'abord, aspirer un petit volume de sang à l'aide d'une seringue. On ne doit pas rencontrer de résistance lors de l'aspiration. Puis ensuite, rincer au sérum physiologique dans une seringue Luerlog de 20 ml par des flushes saccadées et clampées en pression positive. Il existe deux types de recirculation. La recirculation au sérum physiologique, qui est la méthode recommandée, et la recirculation au sang du patient, mais qui est plus rare. Pour la recirculation au sérum physiologique, l'examen ne doit pas dépasser 2 heures. Cela nécessite de restituer le sang au patient et il faudra réamorcer le set avant de rebrancher le patient. Pour la recirculation au sang du patient, la déconnexion du système ne doit surtout pas dépasser une heure. Elle ne nécessite ni restitution ni réamorçage, il suffit seulement de débrancher le patient. Elle est en revanche peu conseillée car il y a un risque non négligeable de thrombose prématurée du filtre. Nous allons maintenant nous intéresser au régime de sécurité. Alors le régime de sécurité, qu'est-ce que c'est? C'est un régime qui permet de protéger le système d'épuration extrarénale au besoin ou en cas de défaillance du patient ou de la machine. En pratique, il associe un débit sang réduit d'environ 100 ml minute et un arrêt de la filtration. Le régime de sécurité peut fonctionner
y compris sur un cathéter très défaillant. Quand utiliser le régime de sécurité? Comme nous l'avons vu précédemment, nous pouvons nous servir du régime de sécurité en cas de défaillance du patient, notamment lors d'une hypotension prolongée. On peut également s'en servir en cas de dysfonction de la machine. Et enfin, il convient d'activer le régime de sécurité avant tout soin de nursing du patient. En effet, les mobilisations peuvent entraîner une variabilité des débits ou l'applicature du cathéter, ce qui peut compromettre la poursuite du traitement. Le régime de sécurité permet également de temporiser toute situation en attendant l'intervention d'un médecin ou d'un collègue mieux formé au fonctionnement de la machine. Il existe sur les machines de Baxter, donc PrismaFlex et PrismaX, la possibilité de mettre automatiquement en régime de sécurité. Donc sur la PrismaFlex, il suffit d'appuyer sur la touche « Changer poche ». Sur PrismaX, il faut utiliser également la fonction de changement de poche ou sinon tirer sur n'importe quel peson. Attention, lors de ces modes, la filtration est stoppée, mais le débit sang, lui, n'est pas modifié. Il est toujours comme prescrit initialement. Il peut donc être nécessaire de le diminuer avec l'accord d'un médecin ou selon le protocole de votre service. Nous allons voir maintenant les modalités de changement du set. Tout d'abord, petit rappel utile sur la différence entre la coagulation et le colmatage. La coagulation, donc, c'est la formation de caillots sanguins dans les fibres du filtre. Cela peut et doit surtout être évité par le choix d'une anticoagulation adaptée au patient. La coagulation du circuit se reflète par l'augmentation de la perte de charge. Le colmatage du filtre, lui, est un phénomène normal. Il s'agit de l'accumulation progressive d'éléments sanguins dans les pores de la membrane du filtre. Et c'est la pression transmembranaire qui reflète le colmatage progressif du filtre. Il est tout à fait normal que la pression transmembranaire augmente au fur et à mesure du temps. Quand changer son set? Il y a plusieurs raisons qui peuvent motiver le changement du set. Tout d'abord, les consignes du fabricant, à savoir que Baxter conseille de ne pas excéder 72 heures dans l'utilisation d'un set, bien sûr dans le cadre d'une utilisation sans complication. On doit également changer le set en cas de fuite de sang. Pour s'en assurer, une petite astuce, on peut réaliser une bandelette urinaire sur l'effluent. Si la bandelette est positive, il convient de changer l'intégralité du set. Attention, il existe d'autres raisons pour lesquelles l'alarme de fuite de sang peut survenir, notamment en cas de traitement qui teinte les urines. Je pense à la rifadine par exemple. Il est nécessaire également de changer le set lorsque le filtre commence à coaguler. Le moniteur vous alertera en cas de début de coagulation, mais attention, il y a parfois de fausses alarmes. Notamment, cette alarme peut survenir si le débit sanguin est trop élevé pour le diamètre du cathéter utilisé. Attention de bien regarder à combien est votre perte de charge. On estime que le filtre commence à coaguler lorsque la perte de charge atteint les 100 mm de mercure. À partir de... Ça court pas les rues de la des réanimations de France, enfin, les gros, donc reste... Il faut bien différencier l'ECMO veno-veineuse, justement, des patients du bras. C'est que ça, quasiment, voilà. Voilà, avec l'ECMO veno-artériel. Bonjour à tous, je m'appelle Mathieu Clerget-Gurnaud, je suis infirmier en neuro-réanimation au CHU de Bordeaux et membre du comité IDE de réanimation de l'ASFAR. Je vais vous présenter aujourd'hui le mercure, le filtre est entièrement thrombosé. Il faut également changer le set en cas de colmatage du filtre.
Comme dit précédemment, la hausse de la pression transmembranaire est normale au fil du temps. Le changement du set est recommandé lorsque la PTM atteint 300 mm de mercure, sachant qu'au-delà de 350 mm de mercure de PTM, le filtre est entièrement colmaté et la restitution est impossible. Nous allons maintenant voir toutes les surveillances d'une session d'épuration extrarénale au quotidien. Je passerai assez rapidement les principaux effets indésirables de l'épuration extrarénale, comme mes collègues en ont parlé au préalable avant moi. Je les recite donc l'instabilité hémodynamique, l'hypothermie, l'hypoglycémie, les troubles du rythme, les troubles électrolytiques et enfin les crampes musculaires. Lors d'une épuration extrarénale en anticoagulation régionale au citrate, il convient de surveiller de façon accrue le ionogramme sanguin du patient, de façon à pouvoir déceler une éventuelle intoxication au citrate, une modification du pH sanguin ou tout autre déséquilibre ionique induit par la machine. On sera notamment attentif à l'hypo- et l'hypercalcémie liée à un défaut de compensation calcium ou un défaut du réglage de la dose de citrate dans le circuit. On surveille également une alcalose métabolique ainsi qu'une hypernatrémie, car les complexes calcium-citrate, lorsqu'ils sont métabolisés par le foie, relâchent des bicarbonates ainsi que des ions sodium. Il est très avantageux, dans ce cas de figure, d'avoir un automate d'analyse sanguine dans le service à disposition. Lors d'une session d'épuration extrarénale, il convient également de surveiller très attentivement la chambre de dégazage. La chambre de dégazage sert à piéger l'air présent dans le système pour éviter qu'il ne soit réinjecté au patient. Le soluté de réinjection qui passe dans la chambre fait interface entre le sang présent et l'air, car, on le signale, le sang au contact de l'air amorce la coagulation. Le niveau de la chambre de dégazage ne doit pas être trop bas. Si de l'air est détecté, le clan de sécurité s'active automatiquement pour éviter l'embolie gazeuse. Il est possible de dégazer le circuit manuellement à l'aide d'une seringue ou en le débranchant du patient et en le faisant tourner manuellement en système clos. Je suspecte une dysfonction de mon cathéter. Que puis-je faire? Il faut d'abord s'assurer que le patient est bien installé, pour écarter le risque d'une plicature du cathéter. On peut tenter d'installer le patient en décubitus dorsal plat strict à 0 degré, la tête et le tronc bien dans l'axe. On peut également contrôler le cathéter sous le pansement. Est-il toujours à la bonne longueur? Est-ce que la fixation tient toujours? On peut également essayer de tourner le cathéter sur son axe, afin éventuellement de décoller l'extrémité du cathéter de la paroi de la veine. Si cela ne fonctionne pas, on peut essayer de rincer le cathéter à l'aide d'une seringue et de sérum physiologique. On rappelle, ne pas hésiter à utiliser le régime de sécurité si besoin. La cause peut être autre, un débit de pompe à sang trop élevé ou une hypovolémie du patient. Pour la gestion du pansement de cathéter, évidemment, celui-ci nécessite une asepsie rigoureuse. Le pansement doit être absolument occlusif, ne pas hésiter au préalable à dépiler le patient. Il est recommandé de le refaire au maximum toutes les 72 heures ou avant si jamais celui-ci est souillé ou décollé. Enfin, il faut être très vigilant lorsque vous avez un cathéter fémoral car il y a un risque de contamination par les déjections du patient. Pour terminer ce topo, nous allons revoir ensemble quelques rappels généraux.
Tout d'abord, rappel sur les alarmes. Attention, aucune alarme n'est anodine. Chaque alarme va refléter la perturbation d'un ou plusieurs éléments du système. Il ne faut pas amender une alarme sans en avoir déterminé la cause et trouvé une solution. Sachant qu'il existe des solutions temporaires à mettre en place en attendant une aide plus experte. Attention à l'effet boule de neige. Les petites alarmes qu'on néglige parfois deviennent de grosses alarmes plus tard. Une des règles d'or pour une session d'épuration extrarénale réussie, c'est l'anticipation. Il faut toujours anticiper ses soins pour rester serein. Si vous avez un départ au scanner, si votre PTM commence à être élevé, idem pour la perte de charge, n'attendez pas le dernier moment pour agir. Agir dans la précipitation va majorer votre stress et va augmenter le risque d'erreur. Pensez également que le volume sanguin circulant dans la machine représente entre 190 et 350 millilitres. Donc, pour ne pas mettre à mal les stocks de sang actuels, pensez à restituer à temps. Enfin, pour conclure, je préciserai que l'épuration extrarénale est un soin très complexe qui demande beaucoup de temps, d'anticipation et surtout de formation. Le binôme médecin-IDE est vraiment primordial pour s'assurer du bon déroulement d'une séance dans des conditions de sécurité pour le patient optimales. Je vous rappelle également que l'ASFAR propose des formations et des fiches techniques à destination des soignants de réanimation pour la bonne gestion de l'épuration extrarénale. N'hésitez pas à les consulter sur le site web de l'ASFAR. Ce topo est maintenant terminé. Je vous remercie de votre attention. Je vous rappelle que ce topo ainsi que les topos de mes collègues seront disponibles en replay sur le site de l'ASFAR, www.sfar.org. Nous sommes également à votre disposition pour toutes questions et remarques. À bientôt! Merci Mathieu pour cette présentation très pragmatique. Donc avant de passer de nouveau à une session de questions pour finir et clôturer cette matinée, nous allons écouter Mathilde, qui est infirmière à Strasbourg, qui concerne la gestion des alarmes. Donc cette présentation est basée sur des cas cliniques, donc vraiment à la portée de tous les infirmiers de réanimation que vous êtes. Donc nous t'écoutons, Mathilde, avec plaisir. Bonjour à tous, je suis Mathilde Profumo, infirmière au CHU de Strasbourg et membre du comité IDE de réanimation de la SFAR. Je vais vous présenter aujourd'hui quelques cas cliniques présentant notamment les alarmes les plus courantes lors d'une session d'épuration extrarénale en réanimation. En raison du format de cette vidéo, il est possible que je passe trop vite sur les questions. N'oubliez pas que cette présentation sera disponible en replay sur le site de la SFAR pour reprendre les différentes diapositives à votre rythme. Je me suis basée pour l'élaboration de ces cas concrets sur des captures d'écran de PrismaFlex. Mais les situations et alarmes sont bien sûr transposables sur tous les générateurs disponibles en réanimation. Commençons avec le cas concret numéro 1, Monsieur A. C'est un patient de 72 ans, admis pour une détresse respiratoire en post-opératoire d'une pneumectomie. Il présente un sepsis avec une insuffisance rénale aiguë de grade Cadigo 3. Les réglages de la machine sont les suivants. Mode CVVH, un débit sang à 200 ml par minute. Une réinjection à 1 600 ml par heure, une PPS à 800 ml par heure, pas de prélèvement patient, pas d'anticoagulation. On note une perte de charge initiale à 35 mm de mercure, une PTM initiale à 55 mm de mercure. Au bout de 2 heures de traitement, on voit que la perte de charge est à 95 mm de mercure, alors que la PTM est à 110 mm de mercure. La séance se déroule bien. Quelles affirmations vous paraissent correctes? L'augmentation de la PTM et de la perte de charge est normale au cours du temps. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter dans ce scénario. L'augmentation de la PTM est le premier reflet de la coagulation du filtre
car elle traduit la résistance à l'écoulement du sang dans le filtre. L'augmentation de la PTM est irréversible. L'augmentation de la PTM rapidement peut être corrigée par une modification de la prescription. La proposition numéro 1 est fausse. Toute augmentation d'environ 40 mm de mercure de la paire de charge ou 100 mm de mercure de la PTM est à signaler. La proposition numéro 2 est fausse également. Il faut remplacer PTM par paire de charge pour que cela devienne juste. La proposition numéro 3 est juste, car la membrane est colmatée. La proposition numéro 4 est juste également. Une modification telle que l'introduction d'une anticoagulation ou une modification de réglage pour diminuer les contraintes sur la membrane, par exemple augmentation du débit sang ou diminution des débits convectifs, pourra corriger rapidement l'augmentation de la PTM. Suite à vos remarques, une anticoagulation systémique par heparine est mise en place. 6 heures après le début du traitement, une alarme apparaît. Que se passe-t-il selon vous? Vous pouvez voir que la perte de charge actuelle est à 67 et le PTM à 200. Et l'alarme indiquée est début coag filtre. Quelles affirmations vous semblent correctes? Le filtre est coagulé, il faut changer de set. La PTM a beaucoup augmenté mais la perte de charge reste stable. Ce n'est pas forcément un problème d'anticoagulation. Si cette alarme apparaît, je ne peux plus restituer. L'augmentation de la PTM est irréversible. La première proposition est fausse. Pour rappel, le filtre est coagulé quand la PTM atteint 450 mm de mercure ou la perte de charge 200 mm de mercure. La proposition numéro 2 est vraie. Le colmatage de la membrane peut être indépendant de la coagulation du filtre, surtout si on est en présence d'un choc septique. Il y aura colmatage notamment par les facteurs d'inflammation, les cytokines, les facteurs du complément. La proposition numéro 3 est fausse, mais c'est prématuré. Envisagez la restitution quand la PTM atteint 300 mm de mercure, car au-dessus, il ne sera plus forcément possible de restituer. La proposition numéro 4 est vraie. L'augmentation de la PTM est irréversible quand elle est due au colmatage, mais on peut modifier les réglages pour augmenter transitoirement la durée de vie du filtre. Le débit sang a été augmenté, la réinjection en post-dilution diminuée. Peu de temps après, cette alarme apparaît. PTM trop élevé. Vous notez une perte de charge à 50 et une PTM à 316. Quelles affirmations vous paraissent correctes? La PTM est supérieure à 300, la membrane est colmatée. Le filtre est coagulé. Je peux temporiser jusqu'à une PTM à 450 mm de mercure pour restituer. Le colmatage entraîne une diminution des échanges, et donc une diminution de l'efficacité du traitement. La première proposition est vraie, il y a colmatage par hémoconcentration progressive, par l'adsorption de différentes molécules par la membrane. Concernant la proposition numéro 2, le filtre n'est pas forcément coagulé. La perte de charge reste en basse, seul le rinçage du circuit montrera d'éventuels caillots. La proposition numéro 3 est fausse. Si la PTM est à 450, il ne sera plus possible de restituer. N'oubliez pas que les circuits contiennent de 190 à 350 ml de sang en fonction des modèles, sang qui ne sera pas restitué au patient si vous ne pouvez pas effectuer cette restitution. Passons au cas concret numéro 2, Monsieur B. C'est un patient de 57 ans, 85 kg, hospitalisé en soins intensifs suite à une rupture de varices œsophagiennes, transféré en réanimation ce jour pour dégradation de la fonction rénale dans le cadre d'une cirrhose évolutive. Le patient est plutôt agité et réfractaire aux soins. Il est stable sur le plan hémodynamique et porteur de lunettes O2 à 2 litres par minute. Un traitement par épuration extrarénale est débuté à l'admission. Malheureusement, peu de temps après le démarrage du traitement, cette alarme apparaît. Un bandeau rouge écrit « Entrée extrêmement négative ». Quelles affirmations vous paraissent justes? Cette alarme peut survenir car il y a toujours une hypotension qui apparaît au lancement du traitement due à la spoliation sanguine. Cette alarme peut signifier que le cathé n'a pas été correctement testé. Mon premier réflexe doit être de vérifier l'absence de clans ou plicatures sur le circuit. Il suffit de rincer le circuit pour que l'alarme disparaisse. Cette alarme peut survenir en cas d'inadéquation du débit sang machine et l'état hémodynamique du patient. La première proposition est fausse. Le volume de sang aspiré est compensé par le sérum physiologique présent dans le circuit.
Il peut y avoir néanmoins une petite hypotension transitoire due à une réaction immunitaire concernant la phase d'activation du sang par le circuit. La proposition numéro 2 est juste. Il est primordial de tester le cathé de dialyse avec une seringue de 20 ml minimum sur un temps de 6 à 8 secondes pour simuler le débit de la pompe à sang. Le sang doit venir facilement. La proposition numéro 3 est vraie. Cela peut être aussi un problème de positionnement du patient. La proposition numéro 4 n'est qu'une solution transitoire qui ne va rien régler. La proposition numéro 5 est vraie. Un patient hypotendu sera en bas débit. Selon la prescription médicale, il faudra du remplissage ou l'introduction d'amine, ou alors diminuer le débit sang. Votre collègue a réussi à supprimer l'alarme entrée extrêmement négative en réinstallant le patient et en modifiant des paramètres. Mais vous récupérez la machine avec une fraction de filtration à 50%. Jetons un œil aux autres réglages. Le débit sang est à 100 ml par minute, la PPS à 1000 ml/h, la réinjection à 2000 ml/h, le prélèvement liquide patient à 100 ml/h. Quelles affirmations vous semblent correctes? Plus la fraction de filtration est élevée, plus le risque de thrombose du filtre est élevé. La fraction de filtration est un indicateur de l'efficacité d'une séance. La fraction de filtration visée ne varie pas en fonction du mode d'anticoagulation de la séance. Il suffit d'augmenter le débit sang à 200 ml par minute pour retrouver une fraction de filtration à 25%. Ajouter de la prédilution va faire baisser la fraction de filtration. La première proposition est vraie. La fraction de filtration correspond à la quantité d'eau plasmatique retirée du filtre par rapport à la quantité de sang épuré. La deuxième proposition est fausse. La fraction de filtration est seulement le reflet de l'hémoconcentration en fin du filtre. L'indicateur de l'efficacité de la séance est plutôt la dose UF qui doit être proche de 35 ml/kg. La proposition numéro 3 est fausse. Il est d'usage de tolérer 20 à 25% de fraction de filtration maximum pour une anticoagulation à l'héparine et 30 à 35% pour une anticoagulation régionale au citrate. La question numéro 4 est vraie. Attention, un peu de calcul. La fraction de filtration est le rapport entre, d'une part, le débit d'ultrafiltration, qui correspond à la prédilution plus la post-dilution plus le prélèvement patient, et la somme du débit sanguin plus prédilution. Quand on met tout dans la même valeur, la fraction de filtration ici est égale à 3100 sur 13 000, ce qui donne environ 24%. La proposition numéro 5 est fausse pour le même calcul que cité précédemment. Pendant une séance chez Monsieur B, cette alarme apparaît. Un bandeau rouge, fuite de sang détectée. Que pensez-vous de ces propositions? Cette alarme apparaît quand un changement de couleur du liquide effluent est détecté par le capteur colorimétrique du DFS. Cette alarme apparaît uniquement en cas de présence de sang dans la ligne effluent. Il suffit de réaliser une bandelette urinaire sur le liquide effluent pour confirmer ou infirmer la présence de sang. Il est impossible de restituer si la présence de sang est objectivée. La première proposition est vraie. La deuxième proposition est fausse. Plusieurs autres raisons peuvent déclencher cette alarme. Un détecteur souillé, un plasma coloré soit par un traitement antibiotique, par exemple la rifadine, une hémolyse ou la présence de bilirubine chez un patient ectérique. Attention également, pour l'avoir déjà expérimenté en service, au soleil direct sur la machine. La troisième proposition est vraie. Il suffit, si l'absence de sang est confirmée, de normaliser le DFS dans les réglages. La quatrième proposition est fausse. Il faut dans ce cas arrêter le traitement, restituer et changer de set. La membrane du set a été endommagée par un choc, par exemple, et le massage d'hématie se fait à travers la membrane. L'état hémodynamique de M. B se dégrade, le scope sonne sans arrêt. Vous avez déjà introduit un PSE d'amine et un remplissage vasculaire est en cours. L'alarme ci-contre se représente et vous n'arrivez pas à la résoudre. Un collègue venu vous aider vous propose de mettre la machine en régime de sécurité. Quelles propositions vous paraissent justes? Le régime de sécurité vous permet de ne pas interrompre un traitement qui pose problème en attendant sa résolution. Les échanges sont conservés pendant le régime de sécurité.
Le régime de sécurité doit être limité dans le temps, car cela peut augmenter la fraction de filtration. Pour mettre en régime de sécurité, il suffit de mettre le débit sang à 100 ml par minute et de stopper tous les autres débits. La proposition numéro 1 est juste. La proposition numéro 2 est fausse, car les autres débits sont stoppés. La proposition numéro 3 est fausse, car le débit d'ultrafiltration est égal à 0, donc la fraction de filtration est égale à 0. La proposition numéro 4 est vraie. À noter l'existence d'une touche nursing ou soin sur Bibronomie ou Fresenius. Sur PrismaFlex, il est préférable de ne pas se contenter de la touche changer poche, mais de mettre le débit sang au minimum. L'état de M. B s'est stabilisé après remplissage et introduction d'amine. Les médecins vous demandent de le préparer en vue d'un scanner. Au vu des paramètres relevés, que pouvez-vous décider? On peut voir que la perte de charge est égale à 52, la PTM 55. Le filtre est branché depuis un peu plus de 12 heures. Quelles affirmations vous paraissent correctes? La solution la plus adaptée est de restituer et de débrancher. La perte de charge et la PTM n'étant pas très élevées, on peut envisager une recirculation le temps de l'examen. Une recirculation au sang est adaptée car elle laisse un délai de 3 heures avant le rebranchement. Une recirculation au sérum physiologique est adaptée, mais c'est une solution qui prendra plus de temps. La première proposition est fausse. S'il n'y a qu'un examen d'imagerie prévu, sa durée peut être compatible avec une recirculation. Attention par contre pour une reprise au bloc opératoire ou un examen plus long. La deuxième proposition est vraie. La troisième proposition est fausse. Le délai est de seulement 60 minutes. Attention à bien le respecter, au risque de perdre le volume de sang resté dans le circuit. La quatrième proposition est vraie. Un délai de 2 heures avec une recirculation ou NACL est à prévoir. Mais il faudra anticiper le temps de 1. Restituer le sang au patient. 2. Faire un amorçage avant de rebrancher lors du retour du patient. Passons au cas concret numéro 3, Madame C. C'est une patiente de 41 ans qui fait 65 kg, polytraumatisée suite à un accident de moto. Elle présente un traumatisme crânien, une fracture du bassin et a subi une laparotomie exploratrice suite à un hémopéritoine. La patiente est sédatée, intubée, sous amine pour maintenir une pression artérielle moyenne à 80 mm de mercure. Elle présente une PIC, une pression intracrânienne et une DVE, dérivation ventriculaire externe, peu productive, ainsi que deux drains abdominaux. Elle présente également une insuffisance rénale aiguë multifactorielle. Décision a été prise à J2 de débuter une épuration extrarénale avec anticoagulation régionale au citrate. Voici les paramètres prescrits. Mode CVVH, débit sang 150 ml par minute, débit d'UF à 1500 ml avec des poches de foxilium, une dose de citrate à 3 mmol par litre, une compensation calcium à 100% avec des seringues de chlorure de calcium. Quelles affirmations vous paraissent correctes concernant l'anticoagulation régionale au citrate? Un patient avec une épuration avec anticoagulation régionale au citrate ne peut pas être anticoagulé. L'anticoagulation régionale au citrate est indiquée chez Madame C en raison d'un risque hémorragique important. On peut utiliser indifféremment du gluconate de calcium ou du chlorure de calcium dans la seringue de compensation. Le débit sang en ARC est moins élevé qu'avec une anticoagulation systémique car les échanges convectifs sont plus efficaces. Il est impératif de disposer d'une voie veineuse centrale pour la perfusion de calcium. La prescription du type de solution de réinjection est un paramètre important à vérifier dans le générateur. La première proposition est fausse. Il faut différencier l'anticoagulation dite régionale, car ne concernant que le circuit, et l'anticoagulation systémique du patient. Les deux ne sont pas incompatibles. La deuxième proposition est vraie. Il faut savoir que l'anticoagulation régionale au citrate est désormais la première modalité indiquée, et ce d'autant plus que le risque hémorragique est important. La troisième proposition est juste. On peut utiliser indifféremment du gluconate de calcium ou du chlorure de calcium dans la seringue de compensation, mais attention!
Il faut utiliser toujours la forme prévue dans les réglages de la machine au début du traitement, car on ne peut plus changer en cours de route. Il faut savoir que dans une ampoule de gluconate de calcium, il y a 2,23 millimoles de calcium contre 4,56 millimoles pour une ampoule de chlorure de calcium. La quatrième proposition est fausse. L'anticoagulation régionale au citrate nécessite un débit sang moins élevé car la quantité de citrate délivrée au patient est asservie au débit sang. Il existe donc un risque de surdosage en citrate si le débit est trop élevé. La cinquième proposition est vraie. Il existe un risque de nécrose cutanée majeure en cas d'extravasation de calcium. Il faut savoir aussi que le calcium est venotoxique pour les petits calibres. La proposition numéro 6 est juste. Il faut noter dans le générateur la quantité de calcium contenue dans les poches de réinjection. Dans ce cas présent, le Foxilium comporte 1,25 mmol par litre de solution de calcium. Une heure après le branchement, pour réaliser une gazométrie artérielle chez le patient et une gazométrie veineuse sur la machine, et vous observez les résultats suivants. Sur la gazométrie artérielle, un pH à 7,38, des bicarbonates à 23 mmol par litre, un calcium ionisé à 0,95 mmol par litre, un calcium total à 2,2 mmol par litre. Sur la gazométrie post-filtre, un calcium ionisé à 0,34 mmol par litre. Afin que cela soit plus compréhensible, vous trouverez en rouge les valeurs qui diffèrent de la norme. Quelles affirmations vous paraissent correctes? Il existe une alcalose métabolique. Le calcium ionisé patient est trop bas, il faut diminuer la dose de citrate. Le calcium ionisé patient est trop bas, il faut augmenter la compensation en calcium. Le calcium ionisé patient trop bas peut signifier que la patiente était en hypocalcémie avant le début du traitement. J'interromps immédiatement le traitement. La première proposition est fausse. L'alcalose métabolique survient quand il y a un pH supérieur à 7,42 avec des bicarbonates augmentés, ce qui n'est pas le cas ici. La proposition numéro 2 est fausse. C'est le calcium ionisé post-filtre qui détermine la variation de la dose de citrate. La proposition numéro 3 est vraie. On peut augmenter par exemple à 120%. La proposition numéro 4 est juste. La proposition numéro 5 est fausse. Ce n'est pas utile, une modification de paramètres peut suffire. La séance se déroule bien depuis 48 heures. Madame C devient instable au niveau hémodynamique et nécessite une majoration des amines. À deux reprises, le calcium ionisé patient était inférieur à 1 mmol par litre et vous avez augmenté la compensation. Les paramètres actuels sont donc un débit sang à 150 ml par minute, un débit d'ultrafiltration toujours à 1500 ml/h, une dose de citrate dorénavant à 3,4 mm par litre, une compensation calcium à 140%. Vous réalisez un bilan une heure après les derniers changements. Vous obtenez le bicarbonate à 16 mmol par litre, un calcium ionisé patient à 0,9 mmol par litre, un calcium total à 2,4 mmol par litre, un calcium ionisé post-filtre à 0,25 mmol par litre, un pH à 7,25 et une lactatémie en hausse. Comme tout à l'heure, vous avez en rouge les valeurs qui diffèrent de la norme. Quelle proposition vous semble juste? Le calcium ionisé patient est encore trop bas, je continue de monter la compensation calcium. Une augmentation de la compensation supérieure à 130% est à surveiller. Le pH et les bicarbonates sont trop bas, il y a une acidose métabolique. Le calcium ionisé post-filtre est à 0,25 mmol par litre, je baisse la dose de citrate à 3,2 mmol par litre. J'interromps la perfusion de citrate par la PPS et préviens immédiatement un médecin. La première proposition est fausse. Au bout de 3 augmentations consécutives, il est temps désormais de demander un avis médical. La deuxième proposition est juste. La troisième l'est également. La quatrième proposition est fausse. Ce n'est pas le problème dans ce contexte.
La cinquième proposition est juste. Nous sommes en présence d'une hypocalcémie persistante, d'un ratio calcium total sur calcium ionisé à 2,67 et d'une acidose métabolique. C'est une probable intoxication au citrate. L'acide citrique n'est pas bien métabolisé par le foie en CO2 plus H2O. Le citrate en excès se lie au calcium ionisé circulant, d'où l'hypocalcémie ionisée. Il y a une accumulation de complexes citrate-calcium, donc une augmentation du calcium total. C'est un danger. L'épuration peut continuer, mais sans citrate. Ces cas concrets sont maintenant finis. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à nous faire part de vos questions ou suggestions à l'adresse comité-ideurea@spark.org. À bientôt! Eh bien, merci beaucoup Mathilde pour ce topo, ma foi très enrichissant, avec des cas cliniques donc très concrets qui, j'espère, vous aideront à mieux gérer vos sessions d'épuration extra-rénale au quotidien. Donc on va se retrouver maintenant de nouveau pour quelques questions et réponses. Donc on se retrouve avec donc Mathilde Profumo, Mathilde Joguet-Babu et donc avec le professeur Thomas Rimelet. Je commence avec une première question donc, qui nous a été posée sur le site de la SFAR. Donc l'épuration extrarénale au citrate permet donc, on l'a vu, d'allonger la durée de vie des filtres, mais de nombreux filtres donc, doivent être changés au bout de 72 heures car ce sont les consignes du fabricant. Est-ce qu'il semble adapté de maintenir un filtre plus de 72 heures si l'épuration extrarénale au citrate se passe bien et si on garde une valeur de PTM correcte? C'est une très très bonne question en fait. Je sais très bien que dans beaucoup d'endroits en France, il y a des tentations de augmenter un petit peu par rapport à ce que recommandent les industriels, qui est une date limite de 72 heures d'épuration, puisque au bout de 72 heures, on s'aperçoit que finalement la séance se passe bien, il n'y a pas de pression, d'élévation des pressions transmembranaires. Donc on se dit pourquoi arrêter l'épuration, pourquoi pas la garder 24 heures de plus, ça permettra peut-être d'économiser un petit peu quelques euros. À mon avis, ça c'est une mauvaise opération de faire cela pour deux raisons. D'abord parce que d'un point de vue médico-légal, en cas de problème, au-delà de 72 heures, il y aura... Pour ceux qui ont décidé de manière claire de poursuivre au-delà de 72 heures, en cas de rupture de circuit qui peut survenir, pourquoi les industriels disent 72 heures? C'est qu'en fait, ils garantissent que pendant 72 heures, l'écrasement du plastique du circuit par le corps de pompe va tenir. Pendant 72 heures, vous savez, quand la pompe tourne dans le circuit, avec le circuit est écrasé. Pendant 72 heures, le matériau est résistant. Au-delà, le constructeur ne garantit pas la résistance du circuit. C'est-à-dire qu'il est possible que le circuit, il y ait une rupture du circuit, c'est-à-dire que le circuit lâche, et là, ça va faire un choc hémorragique majeur chez le patient. C'est la raison pour laquelle les constructeurs ne garantissent pas ça. Il y a des travaux. Ceci étant dit, il y a des travaux actuels qui sont faits par les constructeurs pour essayer de garantir l'utilisation au-delà des 72 heures, jusqu'à 96 heures, avec des circuits qui résisteraient, dans tous les cas, à cet écrasement par le corps de pompe pendant 96 heures. Mais pour l'instant, c'est 72 heures d'un point de vue médico-légal. Ensuite, autre élément pour lequel je pense qu'il ne faut pas aller au-delà de 72 heures, c'est qu'on sait très bien, il y a des études qui ont montré qu'entre 48 et 72 heures, on a un même en CVVHD, on a un encrassement, on a du colmatage qui se fait au niveau du circuit. Or, lorsqu'on fait de l'épuration, vous avez remarqué qu'on regarde le liquide qui s'évacue, mais on ne calcule pas les clairances moléculaires régulièrement pour voir si on fait de l'épuration efficace. On sait qu'entre 48 et 72 heures, on est moins efficace sur les clairances moléculaires. Donc quand on va au-delà de 72 heures, on va faire de l'épuration du liquide, très bien, mais on ne sait plus du tout ce qu'on fait sur l'épuration des clairances moléculaires. Donc personnellement, j'aurais tendance à ne pas du tout promouvoir cette extension, cette largesse que prennent certains
sur l'extension du circuit. Alors bien sûr, si les 72 heures, c'est 6 heures du matin, et on peut tout à fait tolérer, on peut se dire, allez, on prolonge jusqu'à 8-9 heures le temps que les équipes arrivent et fassent ces changements. Mais de là à volontairement faire 24 heures de plus pour faire des économies de bout de chandelle, je dirais en plus, ça, franchement, je ne pense pas qu'il faille le recommander. Merci Thomas pour cette réponse claire. J'ai une autre question à vous poser. Vous avez beaucoup parlé dans votre topo d'une anticoagulation au citrate en mode CVVHD. Alors moi, à titre personnel, dans ma réanimation, j'utilisais plutôt le mode CVVH. Est-ce qu'il y a une différence finalement entre ces deux modes concernant spécifiquement l'utilisation du citrate ou pas? Oui, donc là, on revient au choix de la modalité de votre épuration surrénale dans votre unité. Donc, encore une fois, il est très important de marteler, je crois que ça avait été dit lors de la discussion précédente, qu'il n'y a rien dans la littérature qui permette de dire qu'une modalité est meilleure qu'une autre. Personne ne peut vous affirmer que CVVH, c'est mieux que CVVHD, c'est mieux que CVVHDF. Voilà. Il n'y a rien dans la littérature qui permet de l'affirmer. Donc, on en vient après à des histoires historiques. Dans votre service, c'est plutôt de la CVVH. Dans d'autres, c'est plutôt de la CVVHDF. D'autres, la CVVH, D. Et en fait, ce qu'il faut dire, c'est que il faut surtout faire la technique qu'on maîtrise le mieux au sein de votre équipe, avec les appareils médicaux, avec les médicaux, et vous faites la technique qui vous maîtrisez le mieux. Ceci étant dit, moi, personnellement, je trouve que quand on fait du citrate, l'intérêt de faire du citrate en CVVHD, c'est de pouvoir travailler avec des bisons très faibles. Encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure pendant le topo, quand vous travaillez des libres très faibles, vous apportez très peu de citrate. Vous apportez très peu de citrate puisque votre pompe à sang est asservie à votre pompe à citrate. Donc, qui dit des très faibles, dit très peu de citrate apporté. L'avantage en citrate de travailler avec des débits très faibles, vous apportez peu de citrate et du coup, vous vous exposez moins aux complications métaboliques. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, j'aime bien quand je fais du citrate faire de la CVV HD. Voilà, tout simplement. Mais encore une fois, dans la littérature, rien ne me dit que CVHD, c'est mieux que CVVHDF, que c'est mieux que CVVH. Merci Thomas, merci pour cette précision. Du coup, on a reçu une autre question là pour continuer, très précise. Du coup, c'est une situation voilà, particulière. Est-ce que c'est le même citrate qui est utilisé dans les culots sanguins qu'on va transfuser à notre patient et dans l'anticoagulation régionale au citrate? Et si c'est le cas ou si c'est pas le cas d'ailleurs, quelles conséquences une transfusion de culots a sur l'anticoagulation du circuit au citrate, s'il y en a une? Bon, il y a plusieurs types de citrates disponibles, hein. Il y a le citrate trisodique, il y a des citrates plus hémoconcentrés que d'autres. Vous avez le citrate on en a parlé un peu tout à l'heure aussi, des verrous. Et il y a le citrate qui est mis dans certains produits sanguins labiles, en sachant qu'il y en a beaucoup moins qu'auparavant. Et je dirais que, peu importe, oui, c'est du citrate. Les concentrations sont un petit peu différentes entre ces différents éléments, mais je dirais peu importe. Et je ne pense pas qu'il faille, lorsque vous transfusez un patient, prendre en compte le citrate qui est dans les produits sanguins labiles. Encore une fois, il y en a très très peu, pour modifier vos paramètres d'épuration. Vos paramètres d'épuration, ils sont réglés avec vos algorithmes que vous avez dans votre prescription et dans vos protocoles de service. Et vous faites des dosages réguliers de surveillance toutes les 6 heures de base. Quand tout se passe bien, vous pouvez élargir à toutes les 8 heures. Et quand ça se passe mal ou quand c'est sur les patients à risque, vous raccourcissez la surveillance. Je rappelle qu'on est dans l'ère de la médecine personnalisée, individualisée à votre patient. Et donc, il est totalement absurde de dire que les protocoles de surveillance pour le citrate, c'est toutes les 6 heures, quoi qu'il arrive. Vous voyez, c'est toutes les 6 heures de base, et après, vous adaptez votre surveillance en fonction de votre patient. On adapte toujours au patient qu'on a devant soi. Aujourd'hui, on fait de la médecine personnalisée au patient. D'accord?
Donc, j'élargis ma surveillance si tout va bien, et je le raccourcis si je suis très à risque ou si j'ai eu des problèmes d'hypocalcémie. Eh bien, je fais mes corrections et j'attends pas forcément 6 heures suivantes pour vérifier si ce que j'ai fait a été efficace. Je refais un contrôle peut-être plus en amont, plus rapidement pour pouvoir vérifier. Mais je pense que c'est pas parce que vous transfusez 2 CGR à un patient qui est en épuration extra-rénale que ça change quoi que ce soit sur votre modalité de surveillance et sur vos paramètres. Merci Thomas, merci. Merci beaucoup Thomas, oui, pour cette réponse. On avait également une autre question qui nous a été posée. Donc, c'était pour savoir pour le fameux régime de sécurité, donc quand on met en changement de poche, donc on sait qu'on a un arrêt des différentes pompes. Et donc, dans quelle mesure nous avons, quand on passe dans ce système de sécurité, une perte d'efficacité du traitement? On dit plus on va arrêter, plus on va mettre en régime de sécurité, plus on retarde le traitement. Tout à fait, donc c'est une très très bonne question. Je reprécise parce que je sais que ce n'est pas fait partout, alors que c'est quand même recommandé aujourd'hui de faire ce mode soin, ce mode sécurité d'ailleurs qui est proposé sur toutes les machines aujourd'hui. Hein. Je crois qu'il n'y a plus qu'un seul bouton à appuyer pour se mettre en mode soin sur les machines. Le mode soin, c'est quoi? Le mode soin, c'est qu'on arrête les échanges. On arrête le débit dialysa pour l'hémodialyse continue. On arrête le débit d'ultrafiltration et le liquide de substitution pour l'hémofiltration continue. On arrête les deux quand on est en hémodiafiltration continue. Par contre, le débit sang continue, la pompe à sang continue de tourner seule. Bien sûr, quand on est en citrate, le calcium et le citrate sont arrêtés. Hein. On a le débit sang qui tourne, la pompe à sang qui tourne toute seule. Alors souvent un débit plus faible qu'elle n'est quand les échanges ont lieu, mais c'est suffisamment élevé, c'est de l'ordre de c'est 80 millilitres minutes, 60 millilitres minutes, je crois que même qu'il y a certaines machines c'est 40 millilitres minutes, la vitesse de la pompe à sang en mode soin, et en fait ça permet de faire votre nursing pendant 30 minutes, 2 à 3 fois donc par nyctémère, et là bien entendu qu'à ce moment-là la dose d'épuration est nulle. On perd de la dose. C'est la raison pour laquelle ça, vous devez le prendre en compte. C'est une des raisons pour laquelle il y a une différence entre la dose prescrite et la dose réellement administrée. Pour reprendre l'analogie que je fais toujours avec une perfusion d'antibiotiques, c'est comme si vous coupez pendant 30 minutes votre antibiotique, votre pousseur de tazo, vous avez prescrit 16 grammes, pendant 30 minutes vous le coupez, ce qui fait qu'à la fin des 24 heures, il n'aura pas reçu 16 grammes, il en aura reçu peut-être 12 parce qu'il y aura eu tous ses arrêts. Alors que le pousseur d'antibiotique, il n'y a pas d'arrêt. Mais avec l'épuration extra-rénale, on recommande de se mettre en mode soin, d'arrêter les échanges pendant cette période-là. Donc on prescrit plus que ce qu'il y a besoin. Il y a besoin de 25 ml par kilo et par heure, encore une fois. Donc je prescris 30 à 35 ml par kilo et par heure. Oui, merci Thomas, merci. Du coup, c'est vrai que c'est hyper important de préciser que ces moments de suspension ou d'arrêt des pompes et quoi qu'il arrive un moment de non-traitement, enfin de il se passe rien en fait, et donc c'est du coup très très important que toutes les équipes soient formées ou au moins informées de l'intérêt de répondre à une alarme de dialyse, hein, qu'elle soit de moyenne importante ou de forte importance, pardon. C'est très important, n'importe qui dans l'équipe est censé aller prévenir qui de droit de suite en fait qu'une machine sonne, hein, voilà, parce qu'une alarme jaune de changement de poche sonne pas très fort et pas très grave, mais plus le temps passe plus ça devient grave et délétère pour le patient. Sur des traitements d'hémofiltration ou d'hémodialyse au citrate, la pompe de citrate s'arrête et le pousseur de calcium s'arrête. Et il y a des délais qui sont assez courts pour suspendre l'anticoagulation. Donc, ça doit être de l'ordre de quelques minutes. Je crois que sur Prismax, parce que c'est celle que je connais le plus, il me semble que l'anticoagulation s'arrête au bout de 6 minutes d'alarme. 6 minutes, c'est long et pas long, en fait. Donc, du coup, il faut être très réactif et essayer, tant bien que mal, de prévenir ces alarmes. En fait, c'est notre...
C'est notre rôle, nous, en tant qu'infirmiers d'un patient qui est sous épuration extrarénale. C'est du rôle de l'aide-soignante avec qui on est en binôme. C'est du rôle de tous ceux qui passent devant la chambre de prévenir, en fait, voilà, la bonne personne pour aller régler ce problème de suspension de traitement, enfin d'alarme qui sonne. Alors bien sûr, il y a des priorités, hein. L'alarme rouge, c'est une pompe à sang qui ne tourne pas. Et là, pour le coup, les secondes sont comptées, c'est évident. Il faut régler ce problème au plus vite. Mais les alarmes de moyenne importance, les alarmes jaunes de changement de poche, sont quasi tout autant importantes à aller résoudre rapidement dans la chambre du patient parce que sinon, voilà, il en va de l'état de votre circuit qui va se détériorer à vue d'œil, de l'état du patient, le fait qu'on va pas pouvoir restituer le sang du patient, il en va de l'efficacité du traitement, enfin, il en va de plein de choses. Donc c'est hyper important d'être informé au moins sur ça, que ça soit complètement collégial, mais aussi d'ailleurs, pas que les aides-soignants, pas que les ASH finalement, aussi les internes, hein, peuvent être informés, formés sur au moins les changements de poche, voilà, les gestions d'alarme de moyenne importance, voilà. Ça, en fait, la formation à l'épuration extrarénale, en fait, concerne tout le monde, hein, clairement, dans chacun à son niveau respectif, mais pour la gestion d'un patient sous épuration extrarénale, ça concerne vraiment tout le monde dans l'équipe, quoi. Vraiment, c'est très important de prévenir ces alarmes. On disait, nous, qu'on met un chariot avec le matériel nécessaire pour le traitement du dit patient au moment où il a le traitement d'épuration extrarénale en cours sur lui. Parce que tout ça peut changer avec le temps, que ce soit du Foxilium ou de l'hémosol. Enfin, tout ça change la donne et les erreurs sont vite possibles. Donc, il faut être très, très vigilant et, voilà, et très, voilà, surtout très vigilant. En fait, c'est des excellentes interventions, Mathilde, parce que en fait, ce qu'il faut bien que tout le monde comprenne, c'est qu'à chaque fois que vous avez du sang qui stagne dans le circuit, qui ne tourne pas, c'est une catastrophe pour le futur du circuit, parce qu'il y a forcément des petits dépôts qui se font à ce moment-là sur le circuit, et ça compromet la durée de vie du filtre ultérieur. Oui, probablement qu'on va pouvoir redémarrer, mais forcément, on a perdu. Avec cette stagnation du sang qui n'a pas circulé pendant ces minutes-là, on a perdu en durée de vie ultérieure du filtre. C'est catastrophique. De même, quand on pose un cathéter de dialyse, à chaque fois, je vois mes internes qui laissent du sang dans le cathéter comme ça, sans être rincé, c'est catastrophique. Parce qu'il y a encore une fois des dépôts très rapidement de plaquettes, de fibrines sur les parois. Parfois, que ça ne soit pas très bien. Mais après, ça compromet et on va avoir des problèmes de pression ultérieurement à cause de tout ça. Donc, quand on pose un cathéter de dialyse, on donne, avant de faire quoi que ce soit, on a deux seringues de 20 ml de NaCl 0,9% sur notre table toute propre. Et dès que ça a stagné quelque part, boum, on rince tout de suite. Ce que vous dites, Thomas, est très juste et ça me fait penser aussi également à une information que je diffusais moi-même dans mon service, à savoir on a l'habitude de laisser en place le rinçage en fait sur le cathéter et j'attire votre attention sur le fait que la tubulure souvent est clampée assez loin du cathéter et il y a quand même toujours une portion de tubulure qui reste pleine de sang. Et c'est pour ça que je vous invite quand même à clamper vraiment au plus proche du cathéter, histoire que la tubulure de rinçage ne soit pas pleine de sang et que vous envoyez éventuellement quelques millilitres de sang coagulé à chaque fois que vous rincez. Voilà, bref intermède. Est-ce qu'on a une autre question, Mathieu? Je crois qu'il y avait, quelque chose... Oui, effectivement, il y a une question qui s'était posée, du coup, lors d'une antibiothérapie avec un patient qui est donc sous épuration extrarénale. Est-ce qu'on a une perte d'efficacité? Est-ce que la machine va filtrer une partie des molécules antibiotiques? Est-ce que du coup, il faut compenser la dose totale d'antibiotiques sur 24 heures pour pallier à ça? Comment ça se passe? Donc ça, c'est vraiment une question extrêmement difficile et qui, tous les antibiotiques ne se comportent pas de la même façon. Donc, il faut prendre les choses au cas par cas. Ce qu'il faut bien dire, c'est qu'à chaque fois qu'on a la possibilité de faire un dosage d'antibiotiques, il faut faire le dosage.
Le problème, c'est même si on a beaucoup progressé ces dernières années, c'est quand on fait un dosage à un moment T, souvent la réponse, le résultat du dosage est obtenu plusieurs jours parfois après le moment où vous l'avez prélevé. Donc c'est assez peu informatif. Néanmoins, il y a des antibiotiques que tout le monde dose facilement. Je pense à la vancomycine, aux aminosides. Maintenant, les bêta-lactamines sont quand même dosées assez facilement dans les hôpitaux français, en sachant que les laboratoires de biochimie, il faut qu'ils comprennent qu'ils sont là pour proposer ces dosages. Or, je sais qu'ils se sont plutôt arrangés entre eux pour que à Paris, on propose tel dosage, à Lyon, on propose tel dosage, à Marseille, tel dosage, à Bordeaux, etc. Ils se répartissent et du coup, les tubes partent dans ces différentes villes parce que tout le monde ne dose pas tout. Et c'est un petit peu dommage parce qu'on perd du temps. Néanmoins, le rendu, il faut reconnaître, il est aujourd'hui un peu plus rapide, mais il faut doser les antibiotiques dès qu'on peut. Ensuite, pour répondre encore plus précisément à la question, oui, il y a une partie, souvent, des antibiotiques qui partent les antibiotiques sont les petites molécules. Donc, quand on a l'épuration extra continue, on perd une partie de ce qu'on administre dans l'effluent. Mais c'est valable aussi pour les autres molécules d'ailleurs, hein, pour les amines, des choses comme ça sont épurées par l'épuration. Donc en général, quand on est en épuration extrarénale continue, je rappelle qu'il ne faut pas prendre les adaptations, les antibiotiques, chez les patients insuffisants rénaux non dialysés. Il faut prendre les adaptations des patients dialysés. Et en général, dans bien des cas, on a tendance à prendre des posologies normo-rénales. Alors, c'est peut-être un peu exagéré. Par exemple, pour la tazociline, j'ai coutume de faire 16 grammes de tazo pour prendre cet antibiotique qui est assez prescrit en réa en France, hein. 16 grammes chez le patient qui est épuré, c'est peut-être un peu beaucoup. Peut-être faut passer à 12 grammes lorsque le patient est en épuration extrarénale. Mais vraiment, le message, c'est de doser dès qu'on peut doser pour vérifier qu'on est dans les index thérapeutiques corrects. Merci Thomas, merci pour cette précision. Parce que c'est vrai qu'on se pose de plus en plus la question, surtout sur les antibiotiques qu'on passe de plus en plus sur des durées plus longues. Enfin, avant, c'était tout IVD, hop là, et ça passait très vite, c'était très ponctuel. Maintenant, on diffuse les antibiotiques de façon plus longue. Donc du coup, c'est vrai qu'il faut jauger au moment de l'épuration extrarénale. Donc c'est un sujet important. Ouais, la règle de base, hein, encore une fois, enfin, j'ai quand même tendance, quand le patient est en épuration extrarénale continue, c'est que vous, enfin, certains ne sont pas tout à fait d'accord avec moi, mais nous, on part du principe qu'on est quasiment sur les doses du normo-rénal, puisqu'on va perdre une partie dans l'effluent. D'accord? Ça marche. Et du coup, on a une dernière question pour un petit peu clôturer cette session de questions-réponses, qui est sûrement liée à la période temps qu'on vient de passer, mais c'est la vraie question de l'épuration extrarénale et l'ECMO, enfin voilà, et la circulation extracorporelle. Voilà, en fait, c'est est-ce qu'il existe des recommandations? Qu'est-ce qu'on peut conseiller? Qu'est-ce qui est fait un peu? Tout ça, on marche un petit peu sur des œufs encore. Donc, peut-être voilà, préciser des choses là-dessus. En tout cas, Thomas, Oui, donc peut-être ça. Mathilde, c'est une très 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 bonne question. Et pour répondre déjà à une partie de la question, c'est il n'y a pas de données, il y a très peu de données dans la littérature sur ECMO et épuration extrarénale. Il y a beaucoup de travaux à faire là-dessus. Faut-il brancher de manière indépendante, donc avec deux circuits différents, un circuit par exemple en fémoral et un circuit enfin, indépendant de l'ECMO, ou faut-il brancher l'épuration extrarénale sur le circuit d'ECMO? Ça, c'est une vraie question pour laquelle on n'a pas d'études qui permettent de répondre aujourd'hui. Donc, en France, qu'est-ce qui se passe? Je connais bien les centres qui font de l'ECMO et qui font l'épuration extrarénale en même temps. En fait, il y a une variabilité des pratiques qui est majeure. Vous avez des centres qui branchent toujours de manière séparée, des centres qui branchent à certains endroits du circuit et d'autres à d'autres endroits du circuit. Donc, il n'y a pas de réponse aujourd'hui bien claire là-dessus. Alors, bien sûr,
Quand vous faites de l'héparine pour votre circuit d'ECMO et que vous branchez votre épuration intrinsèque sur le circuit d'ECMO, là vous avez de l'héparine qui circule et vous pouvez vous en sortir comme ça. Mais si vous branchez le circuit d'épuration intrinsèque de manière indépendante sur un autre accès vasculaire, là vous pouvez tout à fait faire du citrate sur votre circuit d'épuration intrinsèque et puis vous faites de l'héparine sur votre circuit d'ECMO. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à faire sur ECMO et épuration extrarénale. Pour ceux que ça intéresse, donc la SFAR a publié une enquête qu'on avait effectuée l'année dernière sur justement qui rapporte très très bien l'énorme hétérogénéité des pratiques sur les différents centres qui font de l'ECMO en France sur la gestion de l'épuration extrarénale. C'est dans la revue ACCPM, hein, donc vous pouvez vous procurer. Il y a tous les résultats sur les différents pourcentages de gens qui branchent sur le circuit de manière indépendante, quel type d'anticoagulation est fait, etc., etc. Je reprends la main alors 2 minutes pour vraiment la toute dernière question de cette matinée, parce qu'après, il va quand même falloir qu'on vous libère, professeur. Sans transition aucune avec ce qui a été évoqué précédemment, pourquoi y a-t-il une différence entre les fractions de filtration tolérées pour une épuration extrarénale à l'héparine et au citrate? Ouais, alors ça, c'est une très très bonne question. En fait, il n'y a pas de... Donc là, Olivier Joannes-Boyot, tout à l'heure, a parlé de données préliminaires qu'il a obtenues dans son service avec un autre service sur Marseille, où ils ont montré, sur des données qu'ils m'ont montré, que la fraction de filtration avait moins d'importance quand on fait du citrate par rapport à quand on fait de l'héparine. Vous savez, quand on fait de l'hémofiltration continue, nous, quand on en fait, hein, parce qu'on fait de l'hémodialyse continue, mais encore une fois, on fait aussi de l'hémofiltration continue chez certains patients, on fait les différentes modalités, on calcule de manière obligatoire la fraction de filtration. Hein, ça fait partie des recommandations et je ne pense pas qu'aujourd'hui, il faille faire passer le message que la fraction de filtration n'a aucune importance quand on fait de l'épuration extrarénale. Ce serait un retour en arrière par rapport à ce qu'on a vécu par le passé. On a martelé pendant des années que quand on faisait de la CVVH, il fallait calculer la fraction de filtration. C'était important de ne pas trop tirer de l'ultrafiltra par rapport à votre débit sang, de ne pas trop hémoconcentrer dans le filtre, parce qu'à ce moment-là, vous faites beaucoup de colmatage, vous pouvez faire de la thrombose, donc ça, c'est pas bon. Donc, vous calculez la fraction de filtration, et ça vous permet de vérifier que vous êtes dans les bons ranges de fraction de filtration, c'est-à-dire 25% inférieur à 30%. Avec les données sur le citrate, il semblerait qu'effectivement, comme l'a rappelé tout à l'heure le professeur Joannes Boyot, il y a moins besoin d'être dans ces... Dans ces valeurs-là et qu'on peut monter, avoir une fraction de filtration un peu supérieure avec le citrate. Et je pense que c'est assez logique, le citrate étant un excellent anticoagulant, qu'on arrive à tolérer des fractions de filtration un peu plus élevées avec le citrate. Maintenant, ces données, pour l'instant, il faut qu'Olivier et Lionel Velli les publient pour qu'on puisse voir exactement jusqu'à combien on peut monter, de combien on peut être tranquille. Mais pour l'instant, moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut continuer à calculer la fraction de filtration et ne surtout pas prendre cette problématique par-dessus la jambe. Je rappelle aussi que, attention aux fractions de filtration données par les machines, hein, ça dépend de la machine que vous avez, les formules ne sont pas toutes les mêmes selon les constructeurs, donc sachez bien exactement quel type de fraction de filtration vous est donné par la machine. Il y a la fraction de filtration sanguine, la fraction de filtration plasmatique, où vous rentrez l'hématocrite, en général, c'est celle-là qu'on vous demande dans les machines, et celle-là, les valeurs supérieures ne sont pas les mêmes que celles de la fraction de filtration sanguine des recommandations internationales. Donc attention à la fraction de filtration donnée. Par exemple, sur la Prismax, je sais qu'il y a 4 formules de fraction de filtration qui peuvent être rentrées dans la machine quand vous faites les réglages préliminaires. Donc attention à quelle fraction de filtration vous regardez. Moi, je pense que le mieux, c'est de la calculer soi-même quand on fait la prescription. Comme ça, on sait ce qu'on fait et au moins, on sait ce qu'est la fraction de filtration.
Merci Thomas, merci pour cette réponse. Du coup, c'est dommage, mais c'est l'heure de conclure, malheureusement. En tout cas, on voulait remercier au nom du comité infirmier de Réa de la SFAR les orateurs pour de cette journée, les deux professeurs qui nous ont fait l'honneur de leur présence et la qualité de leurs réponses et de leur disponibilité. C'était vraiment très sympa. Merci à la SFAR de nous permettre de montrer un petit peu de formation infirmière, voilà, de temps en temps, c'est très pratique. Et merci aux organisateurs et à la régie, à Christophe et à François qui ont fait un boulot assez important et voilà, qui nous aident beaucoup pour rendre les choses fluides et simples. Et surtout, merci à vous tous qui suivi ce live. Merci même à ceux qui n'ont pas suivi ce live et qui nous suivront en replay sur le site de la SFAR. N'oubliez pas que vous pouvez nous envoyer vos suggestions et puis d'autres questions éventuellement hein, à l'adresse mail de la SFAR que vous trouverez sur le site. Donc aussi, n'hésitez pas hein, à diffuser autour de vous, à vos collègues qui n'auraient pas pu se connecter, que toute la présentation qui a eu lieu ce matin sera disponible pour être revue encore une fois. Et évidemment, on vous encourage à vous abonner et à vous inscrire à la SFAR. Sachez que l'abonnement, du coup, vous donne accès à l'intégralité du site internet de la SFAR, à l'application et ainsi donc qu'au replay des différentes sessions de formation que la SFAR propose. Je vous rappelle également la date du prochain Morning Live Webinaire, donc qui sera sur la ventilation et qui se déroulera donc sur la matinée du 16 juin 2022. Et donc, on précise aussi, c'est l'heure de prendre les agendas, que vous pouvez, vous, infirmier, toujours soumettre des abstracts de recherche paramédicale pour gagner un prix qui sera remis au congrès annuel, voilà, que vous pouvez déposer du coup sur le site de la SFAR directement. Vous avez voilà, la possibilité de soumettre ces abstracts jusqu'au 14 avril, donc c'est bientôt. Voilà, au-delà du prochain Morning Live sur la ventilation, on a une troisième session de formation SSPI qui est proposée par le comité infirmier de la SFAR et Frédéric Le Sachet, qui se passe sur 2 journées à Paris, le 30 juin et le 1er juillet de cette année. Je crois qu'il reste encore quelques places. Et bien sûr, on vous invite évidemment à venir nous soutenir, vous informer, profiter du congrès annuel de la SFAR qui a lieu du 22 au 24 septembre. On essaye de le rendre attractif pour les infirmiers de Réa. Il y a vraiment plein de choses à écouter, à apprendre, à faire, à voir. Vraiment, c'est hyper enrichissant. Donc, si vous avez l'occasion, par vos hôpitaux ou par des biais personnels, de venir, c'est avec grand plaisir qu'on vous accueillera à Paris, au Palais des Congrès, le 22 septembre 2022. Du coup, voilà, ben on va clôturer tout ça. On vous souhaite une belle journée et puis à bientôt. N'hésitez pas à mettre des petits pouces sur YouTube et ailleurs, voilà, pour nous soutenir. On a besoin d'aide pour, voilà, pour diffuser toutes ces vidéos. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir.